Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette deuxième de la Miss 2020. La Miss 2020 ce soir est consacrée au grand jury. Hier, c'était la Miss 2020, le grand débat autour de candidats dans la circonscription du Fundi pour les législatives et les autres circonscriptions pour les municipales. Nous avons donc assisté à ces joutes ici hier entre candidats. Nous avons opté pour le grand jury ce soir avec un candidat qui jouit d'une certaine notoriété. Et le premier sélectionné pour cet exercice, c'est Cabral Libi Li Ngenge, le président du PCRN, le Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale, candidat tête de liste aux législatives dans le Nyon et Kélé. C'est ici, dans la région du centre. Cabral Libi Li Ngenge est connu comme ancien candidat à la présidentielle de 2018, le 7 octobre notamment. Il était arrivé troisième officiellement selon les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel avec un peu plus de 6% de suffrages obtenus. Cabral Libi, bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur Rodrick Tongue. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs et un bonsoir appuyé à mes camarades du Parti camerounais pour la réconciliation nationale qui se donne corps et âme sur le terrain pour convaincre les Camerounais à voter pour nos listes. Merci d'avoir accepté d'être le premier à passer devant le grand jury de Canal 2 International pour cette saison, la campagne 2020, les élections législatives et municipales, nous l'avons indiqué hier. Nous alternons entre débats entre candidats et un face à face entre un grand candidat, concédé que nous le disions ainsi, en tout cas un candidat qui jouit d'une certaine notoriété. Je ne peux nier que cela flatte mon ego. Qui a une certaine envergure, tout au moins nationale, nous les choisissons. Nous avons commencé par vous, certainement ce sera Paul-Éric Kingé dans deux jours à Douala avec Michael Tipkio et plus tard peut-être Bernard Djonga et les autres candidats qui ont une certaine ampleur nationale. Cabral Libi, je continue à préciser les modalités de cette émission. Nous avons un grand jury constitué de journalistes, mais surtout d'électeurs, des électeurs du Nyon et Kélé qui vous est cher, puisque vous êtes candidat aux élections législatives là-bas. Je le disais à l'entame de cette émission, nous sommes allés à la rencontre de ces électeurs-là à Ezeka, à Makak, à Matom, qui vous adressent des questions, qui font des remarques sur votre campagne. Mais le grand jury, c'est davantage deux journalistes. Ce mardi, nous avons choisi deux journalistes du CLOPO, le Club des journalistes politiques du Cameroun, le seul regroupement de journalistes politiques au Cameroun. J'ai envie de dire l'un des regroupements socio-professionnels de journalistes les plus sérieux de la place. Nous avons Sylvain Ndiongo, le vice-président du CLOPO, qui est là. Journaliste d'Actif. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Rodrigue, bonsoir aux téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous regarder et nous écouter ce soir. Merci au CLOPO de nous prêter cette expertise, mais je signale qu'au civil, vous êtes journaliste à Investir au Cameroun et Singang, un périodique qui paraît à Yaoundé, et à, vous êtes correspondant local de Reuters, agence de presse. Basé à Londres. Oui, effectivement. Merci. Avec vous, un autre membre du CLOPO, c'est Asokmo Negdem. Il est par ailleurs chef du service politique du quotidien Le Jour, le quotidien d'Aman Mana. Il est politiste, chercheur à l'université de Ngaoundéré. Bonsoir Asokmo. Bonsoir Audric. Devrais-je dire Yannick? En tout cas, vous signez Asokmo Negdem. Yannick également. C'est comme vous. Merci, chers confrères, d'avoir accepté de faire partie du grand jury ce soir qui va tourner et retourner dans tous les sens possibles le projet de Cabral Libi Li Ngenge pour le Nyon et Kélé, mais également pour l'ensemble des candidatures du PCRN. C'est le président national, c'est donc lui qui a investi tous les candidats du PCRN pour cette élection, pour ces élections législatives et municipales. Nous allons donc permettre à Cabral, pour lancer définitivement les joutes, de présenter sa mise 2020. Cabral Libi, vous misez sur quoi en 2020 pour ces élections? Vous avez 6 minutes pour dire aux téléspectateurs qui vous regardent en ce moment sur quoi vous misez en 2020. Ben écoutez, nous misons sur la confiance des Camerounais. Nous espérons que les Camerounais vont accorder leur suffrage au projet de société que nous portons et que nous comptons décliner au travers de nos élus, pour les uns à l'Assemblée nationale et pour les autres dans les communes. Je tiens à préciser que nous allons aux élections, nous allons à la conquête en ce qui concerne le Parlement,
de 39 sièges, donc c'est autour du quart des sièges, et nous allons à la conquête de 35 communes. Nous aurions pu aller au-delà, mais certaines de ces listes ont été invalidées. D'ailleurs, l'affaire n'est pas totalement close. Donc, 35 communes pour un millier de conseillers municipaux. Le projet que nous portons globalement, c'est lequel ? C'est celui que vous connaissez déjà, en quelque sorte, tout au moins l'énonciation, puisque la campagne présidentielle est encore fraîche dans les mémoires. Le Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Comment comptons-nous protéger les Camerounais au travers des sièges que nous allons occuper au Parlement et au travers des communes que nous allons diriger ? Protéger les Camerounais, c'est les mettre à l'abri de l'absence de l'État. C'est la première chose. Nous sommes dans un contexte où l'État est absent. D'aucuns ont parfois l'impression qu'il y a une surcharge de personnel de l'État. Je tiens à le rappeler à chaque fois, l'État est absent au Cameroun. Pour environ 25 millions de Camerounais, si on fait les péréquations après les chiffres du recensement de 2005 publié en 2010, nous serions environ 23 millions, 24 millions, 25 millions, les chiffres divergent, pour à peine 300 000 ou 400 000 personnes qui émargent au budget de l'État. C'est un problème grave. Des pays comme la Tunisie, nous l'avons souvent dit, qui sont autour de 12 millions d'habitants, vont vers le million d'agents publics, ce qui est un problème. Ça veut dire qu'il faut que l'État soit pourvu en personnel de sécurité, en personnel de justice, en personnel enseignant, en personnel médical, en personnel agricole. Il faut résoudre ce problème. Pour résoudre ce problème, il faut toucher là où ça se décide. Car, contrairement à ce qu'on pense, l'État est dirigé à partir du Parlement. C'est pour cela d'ailleurs que le pouvoir exécutif s'appelle bien pouvoir exécutif, c'est-à-dire le pouvoir d'exécuter. Mais le pouvoir d'exécuter ne s'exerce qu'en conformité des lois qui sont votées. Vous me direz, avec 39 sièges, on ne pourra pas changer grand-chose puisqu'on n'aura pas la majorité. Le but n'est pas là. Le but, c'est d'être ensemble. On a d'un côté le pouvoir, le parti au pouvoir, et de l'autre, les partis qui ne sont pas au pouvoir. Rappelons qu'en mars 1992, les partis qui ne sont pas au pouvoir ont réussi à obtenir la majorité des sièges. Donc il faudrait déjà que ceux du PCRN soient obtenus par le PCRN et que d'autres puissent en glaner aussi, pour que nous constituions une majorité. Donc, il faut reviser le budget de l'État. Parce que pour sortir les Camerounais de l'absence de l'État, il faut revoir le budget de l'État. Il faut recruter. Et c'est en cela que les communes sont importantes. Parce que le code de la décentralisation, et je reviens là-dessus tout à l'heure, a institué, déjà de façon proclamative, la fonction publique locale. Mais justement, il y a 7 domaines qui sont dévolus aux collectivités territoriales décentralisées. Et il faut que ces collectivités puissent recruter, puissent créer de l'emploi. Ce sont les lois qui organisent cela. Vous l'avez donc compris, il faudra réviser encore, en fait, elle est récente, réviser le code de la décentralisation. Il faut sortir les Camerounais. Il faut les mettre à l'abri de la maladie. Pour les mettre à l'abri de la maladie, ça se décide encore à l'Assemblée nationale. Il faut pouvoir légiférer là-dessus. Lorsque nous parlons de l'assurance maladie, n'appartient-il pas aux élus locaux de légiférer là-dessus, de contraindre le pouvoir exécutif à le faire? Ben oui, c'est possible. Nos députés peuvent le faire. Il faut mettre les Camerounais à l'abri de l'oppresseur. Là encore, ce sont les lois qu'ils font. Le service public, à quoi ressemble-t-il ? Ben, nous avons le sentiment de subir l'État au Cameroun. Ce n'est pas nouveau, on l'a démontré en d'autres circonstances. Nous sommes dans le prolongement de l'État colonial, hélas. Ça n'a pas beaucoup changé. Nous avons le sentiment parfois de subir un État, d'ailleurs, à la naissance duquel nous n'avons pas participé parce qu'il n'y a pas eu un véritable contrat social discuté. Nous voulons donc aller au Parlement pour que, pour une fois, nous discutions le contrat social. Mais pour discuter le contrat social, ou plutôt, la meilleure façon de démontrer qu'on a discuté le contrat social, c'est de revoir notre constitution. Une constitution qui va donc refonder l'État en réorganisant les pouvoirs. Jetez un regard sur le pouvoir judiciaire. Mais là encore, il faut mettre à l'abri. Il faut mettre les Camerounais à l'abri de l'oppresseur et de l'injustice. Construire l'État de droit, ça passe par une restructuration de notre justice, par l'indépendance de nos magistrats.
simplement par la construction des tribunaux, comme le dit déjà la loi de 2006, dans tous les arrondissements du Cameroun. C'est encore les lois qu'ils font. L'éducation des Camerounais, il faut les mettre à l'abri de l'analphabétisme. C'est l'éducation. Ce sont des secteurs dévolus à la loi, en tout cas qui sont du domaine de la loi. Quel système éducatif avons-nous ? Ben, exactement, ça passe par là. Nous avons la loi d'orientation de 98 qui régit l'éducation nationale. Vous avez la loi d'orientation de 2001 pour l'enseignement supérieur. Mais ça ne ressemble à rien. En tout cas, ce n'est pas en adéquation avec les attentes des Camerounais que vous êtes. J'aime souvent prendre un exemple tout banal. Lorsque vous avez un bac F4 au Cameroun, où pouvez-vous aller ? D'abord, c'est une injustice dans le domaine de l'éducation. Parce que lorsque vous avez un bac A4, allemand ou espagnol, vous avez le choix entre 8 universités maintenant de faire vos études jusqu'en doctorat. Mais lorsque vous avez un bac génie civil, lorsque vous avez un bac électronique, où pouvez-vous vous inscrire quelques mois après ? Nulle part. Vous avez Polytech, il faut un concours. Vous n'avez pas d'université technologique en tant que telle. Vous avez des IUT, mais là encore, c'est par concours. Quand ce n'est pas par concours, c'est des recrutements et ça coûte excessivement cher. C'est une injustice dans notre système éducatif, mais qui a pour but, en réalité, de restreindre le champ de l'innovation. Parce que si vous n'avez pas une ressource humaine qualifiée, bien formée, ben vous ne pouvez pas transformer l'État. On ne peut pas transformer l'État s'il n'y a pas de l'innovation, s'il n'y a pas de la technologie, s'il n'y a pas de la construction. Il faut donc une ressource humaine ayant reçu une éducation, une formation pointue. Il faut donc reformer notre système éducatif, reformer notre système universitaire. Tout cela ressorti du champ de la loi. Maintenant parlons, puisque le temps, je vois Rodrigue qui me guette de temps en temps, parlons maintenant de la libération des énergies. Libérer les énergies, c'est accéder à la propriété. Nous avons l'habitude de le dire au PCRN, le capital camerounais est à 80% un capital mort. C'est-à-dire, tout le monde convient à dire nous sommes riches, mais nous sommes pauvres. Mais c'est évident. Prenons la question foncière. Le Cameroun a je ne sais plus combien de millions d'hectares de terres arables. 8,5 millions. Nous sommes à peine à 10% d'exploitation, alors que la Malaisie, qui a à peu près la même superficie arable, est à 55%. On a d'ailleurs la même que l'Allemagne, qui est à 60%, et ainsi de suite. On pourra revenir là-dessus tout à l'heure quand on va aborder les questions socio-économiques. Il faut une révolution agricole. Il faut accéder à la propriété foncière. Parce que si vous avez accédé à la propriété foncière, vous pouvez donc accéder au financement. Ça passe par la gratuité du titre foncier, dont la révision de la batterie des lois de 1974-1976 qui bloque toujours sur ce cas-là. Il faut régler le problème de la propriété. Et puis, au-delà de la propriété, comment libérer les énergies ? Mais c'est de responsabiliser les communes. Quand vous avez élu un maire, en fait, vous avez élu un petit président. Nous sommes dans un état particulièrement bizarre. Vous avez le pouvoir exécutif qui est dirigé par le président de la République, qui est incarné au sommet par le président de la République, un élu. Juste vous avez que nous avons fait les 6 minutes, mais vous pouvez prolonger. Alors, 2 minutes. Merci. Vous avez le pouvoir législatif qui est incarné par les sénateurs et les députés, ils sont élus. Vous avez les conseillers municipaux qui sont eux aussi des élus, mais dont on cherche toujours la place qu'ils occupent dans le schéma traditionnel de l'organisation des pouvoirs. Résultat des courses, ils sont humiliés, ridiculisés, vassalisés par le pouvoir exécutif. On en est même à vous dire que maire est illettré alors qu'il a été choisi par le peuple. Un procès que personne ne pourrait faire à un président de la République. Heureusement, le nôtre, jusqu'aux dernières nouvelles, ne l'est pas. On connaît tous ses diplômes. Le débat n'est pas là. Il faut donc, une fois pour toutes, qu'on respecte les élus locaux. Les respecter, ça veut dire créer des conditions, une fois de plus, légales. Mais également des conditions humaines, c'est-à-dire le choix des personnes judicieuses. Les conditions légales, c'est la révision du code de la décentralisation. On y reviendra encore tout à l'heure. Comment circule l'argent, comment circule le financement. Et puis, la question humaine, la question des profils. Dieu merci, dans les rangs du PCRN, vous avez tous les profils. Du motoman, oui, parce qu'il y a un candidat dans la ville de Ngogmapoubi qui est le président des mototaximans. Je le salue au passage. D'ailleurs, il est de Mbouda, mais je l'ai investi dans la ville de Ngogmapoubi. Sa voix, vous pouvez voir le signal que nous donnons. Mais vous avez des inspecteurs des impôts. Vous avez des gens qui sont calés dans le domaine de la finance. Je pense à M. Ouna Patrick, qui est candidat au Vouriest. Vous avez des hommes et des femmes d'affaires. Je pense à Mme Nouran Moulu-Fotsing, dont je salue l'enthousiasme sur le terrain dans le cadre de cette campagne. Et des avocats comme Kari Amadou, candidat au Diamaré Ouest, ou des hommes d'affaires calés dans le domaine du transit comme Amatoukour Gandhi à Mokolo et d'autres personnes, des avocats, Maître Nouga, Maître Bébé Aïdéa. Nous avons tout ce qu'il faut pour redresser le Cameroun. Alors pour finir, notre projet c'est celui-ci. Vous aurez à l'Assemblée nationale des Camerounais qui seront légiférer, proposer des lois précises, pointues,
pour répondre aux attentes des Camerounais. Vous aurez aussi des Camerounais, des élus qui sauront contrôler l'exécutif intramuros par les questions écrites, orales, les commissions d'enquête parlementaire, même si là encore il faudra réviser le règlement intérieur, mais aussi extramuros. Oui, on va réactiver ce qui figurait déjà dans la loi portant régime financier de l'État 2007, révisée en 2018. Les contrôleurs spéciaux, ils ont été mis en place, mais n'ont jamais travaillé. Qui peuvent contrôler sur place, sur pièce, en dehors de l'Assemblée nationale, mais dans la vie de tous les jours. Oui, vous l'avez dit, M. Tongue, je suis candidat au Nyon-Ekele, mais la loi, elle est claire. Je suis aussi député de la nation. Et j'ai donc le droit, si jamais, par la grâce de Dieu, je suis élu, et pour, je le dis pour les 39 ou les 38 autres, nous avons le droit de contrôler l'action de l'exécutif, même si on est élu au maillot Sanaga, comme je l'espère pour Hamadou Kour Gandhi, d'aller contrôler ce qui se fait aussi à Ezeka et vice-versa. Vous aurez des élus locaux qui seront à vos côtés, qui apporteront des réponses au quotidien, qui formulent déjà maintenant, pour ceux qui nous écoutent, des propositions concrètes. C'est la révolution qui est mise en marche. En un mot, nous pouvons rattraper ce qui nous a échappé en 2018. Oui, grâce à votre enthousiasme, ça aurait pu changer. Nous pouvons rattraper cela. Nous lâchons et nous ratons pas cette occasion qui se présente à nous à nouveau le 9 février 2020. Merci Cabral Libi. Vous avez passé un peu plus de 10 minutes à exposer ce qui sera la grande ligne, l'axe majeur de cette émission, parce que c'est à partir de votre exposé que nous déroulons cette émission. Alors, j'ai noté parmi les grandes annonces de ce laïus, permettez-moi l'expression, vous insistez sur plus de recrutement au sein de l'administration. La question qui découle de cette affirmation, c'est on prend les moyens où? Est-ce qu'on va fonctionner avec une administration obèse alors que la tendance libérale veut que le secteur privé crée les emplois et que l'État organise simplement? On a tendance à dégraisser au niveau de l'État pour libérer au sein du secteur privé. Ben, si vous m'aviez bien suivi, M. Tongue, vous n'auriez jamais employé l'épithète obèse. Je vous dis justement, je vous ai plutôt démontré la maigreur de notre administration publique. Prenez les États les plus libéraux. Les États-Unis d'Amérique. Prenons les États-Unis d'Amérique. Environ 350 millions d'habitants. Oui. Pour une dizaine de millions d'agents publics. Oui. Il faudrait vous renseigner là-dessus. En réalité, l'État le plus libéral du monde pour est d'abord... Pension. On a 160 000 fonctionnaires et agents publics. Non, vous n'êtes pas 20 millions. Vous êtes les dernières, si on s'en tient aux dernières statistiques, c'est entre 23 et 25 millions. Nous sommes à 300 millions. En fait, 140 000 fonctionnaires, à peu près. Alors, ça donne quel pourcentage? Ça donne quel pourcentage? Si vous avez 160 000 fonctionnaires, arrondissons même à 200 000. Oui, 200 000. Si vous avez 200 000 fonctionnaires pour 23 millions d'habitants, ça vous donne quel pourcentage? Ça fait 20, 10, ça fait 1%. Merci. Et vous 1%. Estimez donc que c'est une aux bonne États-Unis, proportionnalité. C'est quel pourcentage? C'est au moins à 11 ou 12%, je pourrais refaire le calcul. Mais en réalité, 10 millions sur 350 millions. Encore que les chiffres que je viens de donner pourraient ne pas être exacts. Mais de toute façon, si vous allez, enfin, je ne suis pas fort en arithmétique tout le temps, mais si vous allez, faites une étude là-dessus, en tout cas, on y est revenu plusieurs fois, c'est des données empiriques qui sont claires. L'État le plus libéral du monde, c'est d'abord un État. Les États-Unis dont vous parlez, si vous y êtes allé, et je crois que vous y êtes allé souvent, la police, elle est partout. Quand vous faites le 911, dans les 7 minutes qui suivent, vous voyez la police. Lorsqu'il y a un accident, dans les 7 minutes qui suivent, vous voyez des médecins qui arrivent. Ce sont des agents publics. Il faut peut-être préciser que la police, plusieurs formes, il y a la police nationale, la police fédérale, la police communale, la police des mairies. Peut-être qu'il faut ajouter à cela la fonction publique locale. Et peut-être proposer à nos téléspectateurs qu'en additionnant la fonction publique locale, dans le cadre du code général de la décentralisation, on pourrait grossir les rangs de l'administration. Est-ce que c'est dans ce sens qu'on va? Je vous ai laissé effectivement faire une énonciation des différentes polices et à aucun moment on n'avait parlé de la police privée. On est dans un État libéral. Oui. Vous avez donné toutes les déclinaisons d'une police publique, quand même elle est communale, elle est publique. Oui. C'est pour ça qu'on parle de fonction publique locale. Vous pourrez prendre le cas de la justice au Cameroun. Que dit la loi qui organise la justice? On devrait avoir des tribunaux dans chaque arrondissement du Cameroun. On n'en a pas. En tout cas, à cause d'un déficit. Mais on n'en a pas pour le moment. Déficit et de personnel, dira-t-on, de moyens. Donc, il faut savoir orienter les moyens là où il faut. Déjà, nous sommes pour une restructuration du budget. On parle là des choses que les députés doivent discuter. Nous sommes pour une restructuration du budget de l'État. Parce que nous pensons effectivement que la part qui est dévolue au fonctionnement, elle est élevée.
On est d'accord là-dessus. Mais ce n'est pas tant les salaires qui consomment la part dévolue au fonctionnement. C'est des dépenses somptuaires liées à l'achat, aux missions, liées à l'achat des choses, des consommables, au travers d'un mécanisme bien huilé. Un mécanisme bien huilé des marchés publics, des consommables, dont on ne sait jamais s'ils ont été achetés ou pas. Non, on l'a clairement démontré. Ça, c'était est-ce dans que vous le cadre avez évalué ces pertes-là? Effectivement, on a évalué. C'est-à-dire que si on veut aujourd'hui remonter systématiquement pendant sur les 5 ans, par exemple, qui viennent, le nombre d'agents publics de 160 000 ou de 200 000, parce que les chiffres varient à chaque fois, à 1 million, par exemple, on voit l'incidence que ça sur le budget de l'État d'environ 300 milliards. On a fait le calcul. Et ça, ce n'est pas la mer à boire. C'est-à-dire qu'il y a des démonstrations qui sont faites tous les jours. Quand, en rationalisant la dépense publique, on saura réorganiser ou réaffecter des dépenses vers des secteurs qui répondent aux attentes des Camerounais. Donc, plutôt que de mettre de l'argent dans des dépenses somptuaires, il faut plutôt le mettre, par exemple, dans les salaires des agents publics que nous allons recruter. Mais il faut savoir que lorsqu'on fait la transformation d'un pays, tout est en mouvement, tout est dynamique, parce que tout se tient. Donc, au même moment que vous êtes en train d'injecter du personnel dans le corps de l'État, mais vous êtes également en train de lancer la machine de production. C'est pour cela que nous parlons des restructurations ou des réformes qu'il faut faire dans le secteur de la fonction publique locale. Donc, tout se tient. Au fur et à mesure que l'économie fonctionne, la croissance suit et vous avez plus de ressources pour et recruter et payer les gens que vous recrutez et investir pour que la productivité soit beaucoup plus dynamique. Donc, en réalité, ce que je dis dépend, j'ai envie de dire, uniquement de la volonté politique. Non plus seulement, cette fois, de l'exécutif, mais de ceux qui doivent décider des lois. Et quand j'évoque cette question, je crois qu'elle concerne tous les élus, y compris du parti au pouvoir. Parce que l'Assemblée nationale dont nous aurons besoin à partir de mars prochain, ce n'est pas une Assemblée nationale qui ferme les yeux alors que la question est pertinente, qui courbe les chines devant le diktat du parti alors que leurs propres enfants sont compromis par les décisions qui sont prises ou qui ne sont pas prises. Nous voulons en réalité dynamiser l'Assemblée nationale camerounaise, quel avec que soit, 39 sièges. Quel, même si ce serait avec un seul. Quel mais je peux vous garantir, mais par le dynamisme. Peut-être, on sait qu'en face, le RDPC est très attaché à la discipline du parti. On a vu ce qui est arrivé aux députés issus des rangs du RDPC qui n'ont pas souvent suivi la discipline du parti. Je ne voudrais pas citer le cas Paul Aya Abimé en 2008 qui n'avait pas suivi le mouvement qui voulait faire sauter le verrou de la limitation des mandats. Comment avec 39 députés, c'est tout le malheur que je vous souhaite que les 39 candidats soient élus, comment avec 39 députés le PCRN va pouvoir renverser la tendance et pousser en face le RDPC qui est parti pour remporter 36 sièges avant le scrutin, comment le PCRN fait pour inverser la tendance? D'abord, il faut savoir que le travail parlementaire, c'est un travail qui est fait sur des questions qui engagent les Camerounais. Vous avez parlé tout à l'heure de la question de l'État, de la question du personnel de l'État. Quand je vous parle de la révolution agricole que nous voulons faire, elle va profiter, si jamais l'Assemblée nationale décide de la mettre en pratique telle que nous la proposons, avec des centaines d'hectares en exploitation tous les ans, on a évalué ces 500 milliards que l'Assemblée nationale peut dégager. Vous vous doutez bien que ceux qui en tireront profit ne seront pas que ceux qui auront voté pour le PCRN ou qui seront militants du PCRN. Donc, lorsque nous parlons de l'avenir du Cameroun, nous devons pouvoir trouver des points de convergence qui nous situent et qui se situent au-delà de la simple discipline du parti qui généralement est dicté par des personnes qui sont à des années-lumière des attentes des populations parce que n'étant pas des élus et souvent des personnes parachutées pour des raisons qui nous échappent à des fonctions de décision. Donc je compte, et c'est de cette assemblée dont nous avons besoin, n'oubliez pas que le Cameroun, qu'on le veuille ou non, est entré en phase de transition d'une façon ou d'une autre. Et l'Assemblée nationale dont nous avons besoin et les communes dont nous aurons besoin à partir de février prochain, c'est des hommes et des femmes d'abord. C'est des Camerounais et des Camerounaises d'abord qui sont à l'écoute de leurs compatriotes, qui veulent trouver des réponses adéquates aux attentes de leurs compatriotes. Ils peuvent y être arrivés sous la bannière d'un parti politique ou d'un autre. Mais si ce que vous dites est donc vrai, il appartient donc à ceux qui nous écoutent maintenant de changer cette donne. Parce que si vous faites l'addition des sièges de l'opposition, c'est-à-dire des partis non, enfin, des partis autres que du parti au pouvoir, on peut très bien rééditer ce qui s'est passé
en mars 1992. Si vous retirez les alliés aussi, les alliés du UNDP, FSNC, attends, UPC les alliances dans une certaine tendance. En politique, les alliances se font et se défont. Et dans le contexte camerounais, nous sommes en train de nourrir l'espoir que ce qui va irriguer les alliances, ce ne sont pas des intérêts strictement personnels, mais les intérêts transversaux qui concernent les Camerounais. C'est pour cela qu'ils doivent être vigilants sur la qualité des hommes qu'ils vont choisir. Je parle des électeurs camerounais. Et je reste convaincu que les élus du PCRN, les 39 élus du PCRN, si nous remportons, c'est-à-dire y compris les 7 du Fundi, les élus du SDF, les élus du PURS, les élus de l'UNDP ou du CRAC, par exemple, toutes ces personnes iront à l'Assemblée nationale non pas pour des bagarres d'égo, mais pour le bien et les intérêts des Camerounais. Oui, on ne pourra jamais s'entendre sur tout. Mais sur des questions centrales comme celles que je viens d'évoquer, des questions liées à la terre, des questions liées à la forme de l'État, des questions liées à la sécurité, à l'éducation des Camerounais, des questions liées au bien-être, à la pauvreté ou plutôt à la richesse, si vous voulez, c'est des questions qui nous rassemblent tous. Le reste, c'est une question d'option. Mais si les options sont pertinentes, elles doivent pouvoir, grâce au bon sens, rallier la majorité des Camerounais qui ont été mandatés par les autres Camerounais pour les représenter. Vous êtes avant tout, et peut-être surtout, candidat du Nyon Ekélé pour ces élections législatives. Nous avons fait un tour dans le département du Nyon Ekélé. Nous avons baladé notre micro dans les rues et nous avons rencontré des électeurs. Ils nous ont promis qu'ils étaient des électeurs. Il y en a qui ont présenté leur carte électorale, d'ailleurs, qui vous adressent quelques questions et qui font des observations sur votre candidature. Je vous propose d'écouter dans une série de trois les premiers électeurs contactés et nous pourrons débriefer après leurs réactions, questions et commentaires. Je suis Gom Alexandre, instituteur d'enseignement technique. Je suis sorti depuis. On n'a pas envie qu'on te donne nos voix et que tu fasses la même chose que ceux qui t'ont précédé. Merci. Bonjour, Monsieur Cabral, Président. Je suis Monsieur Mbanga Etienne. Contrairement à ceux qui vous ont précédé, j'aimerais savoir le développement que vous allez nous apporter dans le Nyon Ekélé. Voilà, nous avons suivi ce premier geste. Ce sont trois électeurs. J'espère que vous avez tout compris. Ce sont trois électeurs du Nyon Ekélé. Je sais que le dernier qui parlait en langue bassa, regrettait que généralement ils ont vu des gens arriver avec du maquero, du poisson, avec ce qu'on appelle en face du pain et de la sardine pour les électeurs plutôt que les idées. En français, je crois que tout le monde a. Vous l'avez compris en bassa au moins? Oui, évidemment. Je suis moi-même de cette ère sociologique-là. Alors, l'instituteur, c'est très important. Je commence par lui. Parle de vos prédécesseurs. Oui, il y a déjà une constante qui est rassurante pour moi. Mmh. Parce que tous entamaient leurs propos en disant « Nous allons te faire confiance, mais nous redoutons que tu fasses, que tu nous réserves le même sort que tes prédécesseurs. » Ben, je tiens déjà à les rassurer que ce sera différent. Nous portons un message différent, une méthode différente. Mais sur la question, justement, c'est une question liée à l'éducation. Ceux qui ont lu, je ne parle plus des textes antérieurs, mais du code de la décentralisation, ils ont vu le pouvoir d'abord, les 7 domaines qui sont dévolus aux collectivités territoriales décentralisées. L'un de ces domaines, c'est l'éducation. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que les communes ont même le pouvoir de créer des écoles et même de recruter des enseignants et de les payer. C'est écrit en noir et blanc dans la loi, le code de la décentralisation. Donc, cette question revient
à celle que j'évoquais tout à l'heure, celle du personnel de l'État. Parce que si vous parcourez les zones rurales, comme c'est le cas pour moi, vous allez découvrir le paradoxe, mais ce n'est même pas un paradoxe, c'est un déphasage qu'il peut y avoir entre le nombre d'instituteurs que vous pouvez trouver dans une école publique à Yaoundé et les salles de classe sans instituteurs que vous pouvez, ça c'est quand elles sont construites, que vous trouvez en zone rurale. Il y a un manque criant d'enseignants, je parle dans les écoles, je parle des écoles publiques. Il appartient donc aux communes, grâce à la fonction publique locale, de recruter. La vraie question de cela est comment vont-ils être payés? Mais il faut déjà qu'ils sachent que pour les communes du PCRN, c'est ce que nous allons faire. Nous allons procéder, nous, grâce aux ressources des communes, au recrutement des instituteurs. Encore que là, on ne va même pas inventer la roue parce que ça se fait même déjà. Avec les parents, mais nous allons, les maîtres de parents. Au-delà même des maîtres de parents, avec les ressources de la commune. Et là, il y a deux façons. C'est d'ailleurs une expérience que j'ai découverte dans la partie anglophone notamment, où parfois, pour appuyer les ressources de la commune, ce sont les populations qui, mensuellement ou hebdomadairement, contribuent par des mains levées au Cameroun et dans la diaspora pour soutenir l'action des communes. Et ça, ça passe par la confiance. Parce que si vous êtes un élu légitime et que vous êtes transparent dans votre façon de faire et que vous inspirez confiance, vous pouvez être soutenu. Et ça, c'est un levier que nous allons activer. Mais l'autre levier, c'est justement celui des ressources de la commune que nous allons densifier. Mais ça passe aussi, parce qu'il ne faut pas faire du charlatanisme, ça passe aussi par la volonté des pouvoirs publics, et c'est pour ça que nous allons toujours jouer sur les deux leviers, c'est-à-dire le levier communal et le levier parlementaire. Si on reconnaît dans la loi que les communes peuvent résorber ce problème, parce qu'il n'y a pas mieux que le maire, M. Tongue, pour savoir où il faut une école, pour savoir où il faut un instituteur. D'ailleurs, je me demande pourquoi on peut procéder aux affectations des instituteurs souvent sans demander au maire, sans demander aux élus locaux, ce qui traduit simplement l'absence d'une réelle maîtrise de la carte scolaire. On va mobiliser des ressources propres, mais cela passe par la volonté de l'État central, qui devra donc accepter, comme je l'ai vu dans le cours de la décentralisation, qui a relevé à 15% l'appui désormais à la décentralisation, de donner à ces communes les ressources nécessaires à côté des ressources propres aux communes qui sont la fiscalité de transfert, on va peut-être y revenir tout à l'heure. Mais si vous voulez, j'insiste même là-dessus. Comment pouvons-nous relever des communes dans un pays où, lorsqu'on envoie ce qu'on appelle les CAC, les centimes additionnels communaux, qui sont en réalité le fruit des prélèvements qui sont faits non pas par les communes, mais par les agents publics des impôts, qui eux, selon leur législation, ont d'ailleurs le droit de prélever des intérêts liés à ça, c'est-à-dire qu'il y a un pourcentage que les agents du fisc, les agents des impôts, qui prélèvent, ils ont un pourcentage selon le taux de prélèvement qu'ils ont exercé, qu'ils obtiennent directement. C'est eux qui prélèvent. Et l'argent est mis où? Principe d'unicité des caisses, l'argent est versé dans la caisse de l'État. Et même lorsqu'on transfère l'argent est transféré où? Au trésor. Principe d'unicité des caisses. Donc, un maire, contrairement à ce que les populations peuvent croire, n'a jamais accès à l'argent comme il le veut, à l'argent qui lui est pourtant accordé. Parce que nous savons tous comment ça fonctionne. Lorsque vous allez, alors que vous savez qu'on vous a transféré de l'argent, vous allez au trésor, on vous dit qu'il n'y a pas d'argent. Bon, avant, c'était Boko Haram. D'ailleurs, c'est toujours Boko Haram. Maintenant, c'est la crise anglophone. Mais avant tout ça même, il y avait toujours un prétexte. Non, pour que vous n'ayez pas accès directement à votre argent et que vous imaginiez d'autres mécanismes qui vous permettent de flatter la personne qui est devant vous pour que vous accédiez à l'argent. Vous proposez de contourner cela. Mais il faut réformer le système de financement des communes. Et ça, c'est encore un manquement du code de la décentralisation qui a été adopté récemment. Parce que là, je parle des CAC. Même l'appui. Le fameux appui, le premier ministre en février 2019 a ramené cela à 50 milliards, ce qui est toujours insignifiant, puisque dans les 50 milliards, il y en a 15 qui reviennent encore au personnel de l'État, 35 aux communes. Mais c'est bon, on a vu que désormais, chaque commune a 5 millions d'investissements depuis cette année. 100 millions d'investissements. Alors, comment est transféré cet argent? Mais là encore, c'est quelque chose de très intéressant. Le budget d'investissement, ces fameux 100 millions d'investissements, sont en fait transférés avec le système de carton. En termes simples, c'est le système des autorisations de dépenses. Ça veut dire, une fois de plus, que vous avez 100 millions,
Mais en réalité, vous ne disposez pas des 100 millions. Il faut qu'on vous autorise à accéder à ces 100 millions. Et celui qui vous autorise à y accéder, c'est encore le trésor, c'est à son rythme, et il peut, et il est juge de l'opportunité de ce que vous voulez faire ou de ce que vous ne voulez pas faire. Résultat des courses, vous avez des marchés qui sont forclos. Il y a même des marchés qui ne sont pas lancés, ainsi de suite. Et parfois, les 100 millions ne sont même pas utilisés. L'argent est pour la commune ce que le sang est au corps humain. Pour que vous viviez comme nous vivons la M. Tongue, il faut que le sang circule de façon fluide. Pour que les communes vivent, il faut que l'argent qui leur est concédé circule de façon fluide. Le mépris vis-à-vis des élus locaux par des fonctionnaires, le mépris vis-à-vis des élus locaux par des personnes qui ne sont pas élues, qui sont là grâce à la signature d'un autre élu, je leur concède, n'est pas acceptable dans un pays qui croupit dans une pauvreté comme c'est le cas du Cameroun, qui dispose d'une ressource humaine qui peut être au service des populations à partir des communes. Nous allons travailler à ce que ça change. Ça, c'était pour la question de l'instituteur. Mais il y a eu deux autres questions qui se rejoignent. Oui. Vous permettez que je revienne, il y avait une ambassade en réalité qui rejoignait la précédente en français. Nous nous apprêtons à vous faire confiance. Est-ce que vous n'allez pas nous abandonner? D'abord, je suis heureux qu'ils me disent et qu'ils m'annoncent qu'ils vont voter pour moi ou pour la liste dont je suis la tête. Mais j'espère que ceux qui souvent prennent 2000, 3000, 5000 pour ramener le bulletin, parce que j'ai vécu ça à l'élection présidentielle, et qui deux jours après avoir bu avec les 5000, disent dans un état d'ébriété que le pays doit changer. J'espère que ceux-là aussi ne feront plus la même chose. Donc, comme ils disent à la télé, moi je leur réponds que je ne les trahirai jamais. Je leur dis aussi que j'espère, parce que moi on me voit parce que je parle à la télé, mais eux quand ils prennent les 5000, c'est généralement en cachette. J'espère qu'eux ils savent que Dieu les voit et qu'eux aussi ne vont pas trahir les efforts que nous sommes en train de fournir. Alors je leur dis tout go, ça vaut pour la circonscription d'Union Ekele. Ça vaut pour toutes les autres circonscriptions. Et là je parle comme président du PCRN qui va s'assurer que ses élus tiennent les engagements qu'ils ont tenus. Monsieur Tongue, je le dis, non pas par démagogie, parce que je n'ai pas le choix. Est-ce que vous avez des moyens, est-ce qu'un parti politique a des moyens de contrôler ses élus? On sait que tout mandat impératif au Cameroun est nul. Vous ne tenez pas absolument vos élus. Monsieur Tongue, si un leader politique n'a pas le contrôle sur ses élus, alors il n'est pas un leader politique. Je vous rappelle que ce ne sont pas des rapports... Vous obtenez sa démission? Je vous rappelle que ce ne sont pas des rapports d'homme à homme. Ce sont des rapports institutionnels, ce sont des rapports idéologiques, ce sont des rapports d'idées. Ceux qui adhèrent au PCRN, ceux qui ont reçu l'investiture du PCRN, m'ont laissé l'impression qu'ils en étaient dignes. Et je leur dis, au moment où je leur donne cette investiture, que vous vous êtes montré digne vis-à-vis de moi. Vous devrez vous montrer digne vis-à-vis des électeurs qui vont éventuellement vous faire confiance, pour certains, en mon nom. Pour certains, en mon nom. Ils doivent s'en montrer dignes. Donc, vous avez posé une question qui a un ressort juridique. C'est que si nous avons des élus qui s'écartent de la ligne idéologique du parti et commencent à se comporter, je ne sais plus comment, nous ne pouvons pas juridiquement les démettre du mandat qui leur a été donné par le peuple. Mais nous pourrons prendre nos distances très publiquement vis-à-vis de ce type de personnes. Parce que figurez-vous... Les dénoncer au moins. Mais les dénoncer, mais avec une vigueur que vous ne vous imaginez même pas. Même carrément les mettre en quarantaine vis-à-vis justement de l'électorat. Parce que, monsieur Tongue, la vie d'un pays ne s'arrête pas en 5 ans de mandat. Et moi qui vous parle, j'aurai 40 ans le 29 mars prochain. Je compte être une fois de plus... Je compte une fois de plus aller à la conquête de la base du PCRN, demander le mandat de représenter le PCRN à la prochaine élection présidentielle. Si jamais ce mandat m'est accordé, je devrais avoir comme argument de campagne, nous qui sommes nouveaux en politique, le bilan des communes, le bilan de l'usage des sièges au Parlement. Parce que les autres en face auront tout fait de dire, ben oui, vous êtes arrivé hier, pour parler prosaïquement, vous avez occupé des sièges, vous avez gagné des mairies, qu'en avez-vous fait? Et ça, je vais traîner ça comme casserole pendant cette campagne, je n'en ai absolument pas envie. Donc l'exemplarité sera de mise au PCRN, parce que notre avenir à tous, moi le président, eux qui vont devenir des cadres politiques, non pas seulement pour le parti, mais pour le Cameroun et aux yeux des électeurs, et qui, si jamais je suis élu président de la République, seront probablement
et ça va couler de source, des futurs ministres, bon. des futurs DG, membres de l'exécutif, grâce à leur parcours, grâce à leur bilan, grâce à leur capacité à tenir des engagements. Eh bien, nous voulons avoir un parti discipliné, et en cela, nous n'inventons pas la roue. Dans tous les pays à peu près sérieux du monde, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, il y a cette question qui arrive en Bassa, vers la chute. Nous voulons que l'Union et qu'elle ressemble à Paris. La traduction a été faite par Raksha Basek Yedna, une journaliste de notre rédaction. Nous voulons que l'Union et qu'elle ressemble à Paris. Alors, vous dites à vos électeurs que c'est gros quand même. Mais pas du tout. Parce qu'un jour, Paris était moins que Zeka. Il y a eu un jour dans l'histoire où Paris était moins que Zina. Où Paris était moins que Kaikai. Je parle là des villes où je suis allé souvent. Donc, on a le droit de rêver. Et je salue ce citoyen, l'attitude mentale de ce citoyen qui rêve d'une ville qui ressemblerait à Paris. Et je lui dis c'est possible. Maintenant, il y a un dicton bien populaire qui dit Paris ne s'est pas construit en un jour. Donc, ça commence par le mandat. Peut-être c'est pas lui qui, le citoyen en question, peut-être c'est pas de son vivant sur cette terre qu'il verra ce Paris. On peut le revoir à l'écran. C'est un monsieur d'un certain âge. Peut-être c'est pas de son vivant ou de mon vivant que nous verrons ce Paris. Parce que ceux qui ont pensé Paris, je ne suis pas sûr qu'ils soient encore vivants aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que Eiffel, qui a construit la tour Eiffel, est encore là aujourd'hui pour voir et les travaux de réhabilitation, et les travaux d'embellissement, et les travaux de préservation, et toute l'activité économique qui se déroule autour. Mais c'est sa vision qui compte. Et justement, le PCR, c'est cela. Nous pensons que le Cameroun a besoin à nouveau d'hommes politiques semblables à ceux qui, en 48, ont donné naissance à un parti politique appelé UPC au Café Sierra. C'était au mois d'avril. Et qui avaient nos âges. Et qui, pour certains, étaient moins âgés que nous. Et qui ont pensé un Cameroun. Et qui, parfois, au prix de leur vie, se sont battus pour que ce Cameroun voit le jour. Et c'est cet esprit que veut à nouveau incarner le PCRN. Non pas des gens qui arrivent pour récolter tout de suite. Et là, c'est très grave, parce que ce sont des rentiers et des opportunistes qui viendront eux aussi s'engraisser sur le dos des Camerounais, mais des gens qui portent une vision qui séduit, si l'on en juge, par la vitesse de progression du PCRN. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je voudrais donc rassurer ce compatriote que sous réserve maintenant des débats d'ordre identitaire, des débats, parce que là encore c'est un modèle de développement, est-on sûr qu'on a besoin que Nitoukou ressemble forcément à Paris tout de suite? Nous avons nos terres. Sommes-nous obligés de construire des gratte-ciels de 50 étages ou de 60 étages? Sommes-nous absolument obligés de copier le modèle urbain, le modèle d'urbanisation de l'Occident? Oui, ça séduit, c'est beau. Il y a des choses qu'on peut prendre, des choses liées à l'aménagement urbain, des choses liées à la propriété, à l'environnement et tout le reste. Mais sur des questions architecturales, sur des questions d'aménagement, nous pouvons nous aussi créer des modèles, et c'est la posture du PCRN, qui peuvent aussi être exportés, donc faire rêver à Hong Kong, à Paris et ailleurs. Mais de toute façon, on retient philosophiquement ce qu'il veut dire, c'est que... Une belle ville. Est-ce que nous pourrons construire de belles villes? Eh bien, je lui dis, là où nous aurons le mandat du peuple, au bout de 5 ans, si Dieu nous donne vie à nous tous, il verra tout au moins les bases solides et les jalons posés pour que son rêve se réalise. Je vous invite à suivre la deuxième série de questions, réactions, commentaires à votre candidature dans l'Union Ekele, toujours. Bonjour, président Cabral. Je m'appelle Billon André Jules. Je suis l'Union Ekele. Ma question est que, est-ce que, comme vous venez de nous proposer de sortir dans la misère, et quel est votre projet? Et quel est votre avenir pour les jeunes? Je suis un gars de Matom Centre, un gars d'Onglit. Je m'appelle Binyombakan Alain Bernard. Je voudrais que tu travailles la route. C'est ce qu'on peut te demander, grand frère. Je te sollicite. Merci. Monsieur Cabral Bilingue, bonjour. Je suis Bilébé Joseph Valentin, élu de l'Union qui est le plus président dans l'arrondissement de Boudmaka. Je voudrais vous poser une question. À mon avis, on doit commencer à vous appeler président maintenant. Mais comme vous êtes à l'assaut de nos voix pour les élections législatives et dans les municipalités, bon, qu'est-ce que vous nous proposez en dehors de ce que les autres parlementaires de l'Union nous ont proposé avant? J'espère que cette fois-ci, c'est un peu plus transparent, parce qu'auparavant, les parlementaires
se rapprocher pas de la population pour nous proposer leurs projets de société. J'espère que votre société est largement suivie par toute la population de Yaoundé. Nous sommes fiers, mais nous voulons seulement certains éclaircissements. C'est pour cela qu'on vous pose ces dernières questions. Mignéga, maintenant c'est Valéry Gimbos Théophile. À Cabral, même Barouale, qui est au Kenya, on va se voir bon qui. Nous les Baba Blouba Kenya, Baba bon qui. Mbaraï, Mbaroua, Yom et Mélatim. À présent, à Cabral, Mignéga. Jam de Bembek ma pauvre de Bembek ma pauvre mon béni de Bembek me long. Et Bombe de Bembek ma lip. Et Bombe, when will on a big war? You le gondre. When will on a big war? A cabral, Joe, me yen, no long come talk. Aron is among my tomb. Alors, Cabral Libi, les questions d'eau, les questions de circulation rurale ou urbaine, elles reviennent en bassa comme en français. Vous avez une réponse pour ces électeurs-là? Bien sûr, j'ai une réponse pour ces électeurs. Je salue encore une fois de plus cette disposition d'âme que je note de leur part à avoir déjà décidé de nous faire confiance et je les en remercie d'avance. Mais une élection n'est jamais gagnée d'avance. C'est pour ça que nous continuons à travailler d'arrache-pied. La première question, elle est très importante. Elle a évoqué la question en réalité de la pauvreté. Comment nous comptons sortir? Alors, l'union est quelle est? Pour parler d'Union Ekele, mais en fait, l'Union Ekele ressemble à beaucoup d'autres départements du Cameroun. C'est 6362 km², mais en réalité, c'est une zone forestière propice notamment à la culture du palmier à huile. Ça, c'est pour les cultures durables. Oui, 141 000 habitants, mais je crois que c'était en 2001. En 2001. 2005, au dernier recensement. 2005. Dernier recensement. C'est bien en 2010. Oui. Mais bon, si on applique la péréquation de 2,1 de progression par an, ce serait donc à beaucoup plus que cela. Évidemment, la densité de la population est encore faible. C'est à peine, je crois, 23 habitants au kilomètre carré. Effectivement, il y a d'ailleurs un problème même de natalité de ce point de vue. Mais on y reviendra. Sur la question agricole, nous proposons quelque chose de simple. Un projet que nous allons défendre à l'Assemblée et que nous allons veiller à implémenter au travers des mairies, pas seulement d'ailleurs dans l'Union Ekele. Je travaille là-dessus à Menganga, à Mokolo et ailleurs, que nous appelons le Uber agricole. Le Uber agricole, alors Uber, pour ceux qui sont déjà allés en Occident, c'est la fameuse société internationale de taxi. Taxi Clando. Ouais. Mais en réalité, le principe qu'il y a derrière Uber, c'est que c'est une grande entreprise qui a des taxis qui ne lui appartiennent pas. En réalité, tout ce que Uber a fait, c'est de créer une plateforme à laquelle s'enregistre, dans laquelle s'enregistrent des propriétaires de véhicules. Et lorsque vous voulez emprunter un taxi, ben, on vous dit, allez prendre quelqu'un à tel endroit qui a déjà payé, on vous verse votre commission. C'est exactement ce que nous voulons faire pour l'agriculture. C'est-à-dire, nous allons sortir du système des micro-projets. Un puits ici, un puits là, on pourrait le faire. Mais nous travaillons davantage sur les questions sur des projets pilotes. Et sur la question agricole, c'est exactement ce que nous allons faire. D'abord, nos communes vont travailler en lien avec les élus locaux, je vous ai parlé de la gratuité du titre foncier tout à l'heure, à lancer un recensement des propriétés foncières coutumières et à engager des programmes d'immatriculation de ces terres pour sécuriser la propriété foncière. C'est une question qui nous tient à cœur par le prisme de la gratuité. Mais en attendant, puisqu'il y a des propriétés coutumières, nous allons mettre en place un projet pilote dans toutes les communes que nous allons gagner où des personnes qui ont des propriétés coutumières sur des terres pourront voir leurs terres exploitées par des investisseurs, d'ailleurs, pour certains que nous avons commencé à contacter, avec le cautionnement qui sera donné par la commune, qui servira et d'intermédiaire, et de caution, et de balise, de surveillance, et de confiance. Et si je prends seulement le cas du cacao, vous savez, actuellement au Cameroun, on a deux types de cacao, le forestier et le trinitario. Enfin, j'ai dû apprendre toutes ces questions, mais il y a une variété très prisée aujourd'hui dans le monde qu'on appelle le criollo, qu'on ne trouve que dans la zone de Sava et Diana, je crois, à Madagascar et dans certaines zones du Venezuela et du Brésil, qui coûte extrêmement cher et qui est très prisée par les chocolatiers. Et donc, toutes les études ont démontré que ça peut prospérer au Cameroun. J'ai d'ailleurs dû, grâce à d'autres activités que j'ai maintenant, envoyer des gens en mission à Madagascar pour qu'on commence à voir comment on va faire venir cette variété et faire des champs semenciers. Est-ce que vous savez au bout d'un an de champs semenciers, et nous allons lancer tout cela en place, c'est-à-dire on va donner
Et je le dis, dans nos communes, on a déjà travaillé là-dessus. On va faire en sorte que les personnes qui vont adhérer au projet de Uber agricole, là je parle des cultures durables, comme le cacao, pourront, au bout d'un an, nous allons faire des champs semenciers, nous allons commencer à travailler avec l'IRAD là-dessus, et nous pourrons faire en sorte qu'au bout d'un an, des gens, beaucoup d'agriculteurs, puissent avoir sur leur terre un hectare de ces variétés prisées. Savez-vous que lorsqu'on a respecté les bonnes pratiques, avec un hectare de cacao, au bout de 18 mois, on peut récolter 3 tonnes de cacao. Ça veut dire que là où nous allons gagner des communes, au bout de 3 ans, nous avons fait cette simulation, et d'ailleurs nous avons publié sur les réseaux sociaux récemment, c'était tellement invraisemblable, mais en même temps les gens ils lisaient, ils disaient « mais c'est facile à faire ». C'est la volonté politique. Et vous allez voir des dizaines de milliers de Camerounais qui vont sortir de la pauvreté grâce au cacao et pour l'oignon équelé. On parle beaucoup des bois du Cameroun, on oublie que dans les années 60-70, il y a eu une grande savonnerie à Iseka. Nous allons la réveiller parce que le palmier à huile, c'est la matière première du savon. Mais au-delà de cela, il faut aussi faire des cultures de 3 mois. Le gombo, l'arachide, le maïs. Avec le même système du beurre agricole, nous allons le faire. Et tout est fait, et je pense que nos équipes sur le terrain sont en train d'expliquer ça au village par village de façon schématique et démontrée. Vous avez suivi notre camarade, et là je passe à autre chose, question de santé. Elle l'a dit, et ça a étonné, mais les hôpitaux mobiles, notre camarade Nouran Moulu Fotsing, qui l'a démontré à Douala, ça fait partie des choses qu'on va faire, et je tiens à rassurer ceux qui ont posé la question. Mais ils ont également évoqué la question des routes. Il faut savoir que les communes, en ce qui les concerne, travaillent à l'entretien des routes. Et nous allons le faire, parce qu'en fait, il y a des fonds qui sont virés pour cela. Mais grâce aux fonds... Des fameux fonds transférés. Avec les blocages qu'on connaît. Mais parfois, les élus ne font pas toujours ce qu'il faut. Mais il y a d'autres mécanismes. Mais là, on n'invente pas la roue. Vous pouvez très bien, grâce aux fonds propres, grâce aux fonds levés par les populations, par la diaspora, acheter des engins. Maintenant, ça pose le problème de l'entretien des engins. Mais ça crée aussi une autre opportunité d'emploi pour ceux qui travaillent à l'entretien des engins. Pour que les routes soient entretenues, j'ai d'ailleurs demandé à tous nos candidats de me donner des statistiques là-dessus. Combien de kilomètres de routes bitumées avez-vous? Combien de kilomètres de routes non bitumées avez-vous? Combien de kilomètres de routes de telle catégorie avez-vous? Quel est le plan de restructuration sur les 5 ans de mandat, si jamais le peuple nous fait confiance, pour que les gens voient concrètement ce qu'on va faire? Mais il faut savoir que la construction des routes en elle-même, maintenant, ce n'est pas les communes. Les grandes routes, les routes départementales, ça c'est l'État. Mais nous allons activer dans le levier législatif où nous serons, en espérant que le projet que nous on avait pendant l'élection présidentielle puisse voir le jour. Parce qu'on l'a aussi démontré qu'en levant 300 milliards tous les ans, au bout de 5 ans, vous sortez de façon visible les Camerounais de sous-enclavement. Cela vaut pour les routes, parce que quelqu'un d'autre a posé la question de l'électricité. Nous avons démontré pendant la présidentielle comment on pouvait passer à la production de 500 mégawatts. Je dis bien 500, pas n'importe quoi, mégawatts. Quelqu'un qui travaille à ENEO et autres sursauterait sur sa chaise. Mais évidemment, c'est toujours le cas. Ce qu'on promet pour Natigal. Mais écoutez. Non, 4 fois ce qu'on promet. On a fait l'évaluation. C'est 500 milliards. Je vérifierai avec Sylvain Diongo tout à l'heure. C'est bien 4 fois. C'est 500 milliards que cela génère, parce qu'en fait, il a été démontré, ce sont des études qui ne sont pas les nôtres, qu'un mégawatt, ça coûte environ 1 milliard. Mais nous l'avons démontré. Non seulement on peut le faire en fonds propres, en revoyant notre budget. Je me rappelle à la présidentielle, quand je disais que notre budget pouvait passer à 5 000 milliards, il y avait des ministres qui en riaient. Mais j'ai vu que l'année qui suivait, ça s'est rapproché. D'ailleurs, 4 000. Mais on est, chaque jour, on s'en rapproche, donc c'est possible. Mais encore qu'eux, ils ne fournissent pas les efforts qu'il faut. Nous avons démontré qu'en restructurant le budget, en donnant la priorité à l'investissement des questions électriques, vous pouvez les régler. Mais nous, on va le faire autrement. Non seulement on va activer le levier législatif pour que les réformes budgétaires soient faites, mais nous allons activer le levier local. Parce que justement, la loi sur l'électricité, sur la libéralisation, il y a une loi du secteur de l'électricité, permet effectivement aux privés, par exemple, de produire de l'énergie, permet aux communes même de produire de l'énergie grâce à des partenariats. Nous avons même démontré à l'époque qu'une société comme la China Engineering
dont le budget à lui seul est 10 fois le budget du Cameroun, faisait des choses en Angola, des choses similaires en Angola, en RD Congo, et qu'il suffisait juste que des personnes qu'on voit parader tous les jours et qui vont en Chine aillent les rencontrer et présentent l'attractivité qu'il peut avoir dans un pays comme le Cameroun, ce que nous, nous voulons garantir à partir déjà de l'Assemblée nationale. Donc je tiens à lui dire que c'est des questions qu'effectivement nous pouvons résoudre si on nous fait confiance pour que nous soyons en position d'influer sur le travail parlementaire et que nous soyons en position d'exercer le mandat local. Cabral, vous êtes dans le Nyon Ekélé, présenté comme le terreau de l'UPC. On vous a d'ailleurs, ça vous suit comme un boulet. On estime que vous marchez sur les plates-bandes de l'UPC et que vous voulez récupérer le corps électoral dévoué jadis à l'UPC qui n'a pas pu candidater dans le Nyon Ekélé. Une partie de l'opinion estime d'ailleurs que le pouvoir vous a aménagé un boulevard sur le Nyon Ekélé, mettant de côté l'UPC. La question est revenue dimanche passé, au cours d'un meeting que vous avez organisé à Makak. Et nous avons préparé ce sujet à partir de ce meeting. Je vous suggère de le regarder attentivement, le temps d'accueillir Assog Mondekdem pour aborder la partie politique de votre projet. Cabral Ibi accueilli en triomphe par les populations de Makak. Présent ce 26 janvier dans cette commune, le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale est porteur d'un message. Il est temps que d'autres formations politiques, que d'autres Camerounais, autres que ceux issus de la zone de repli principale de ce parti politique qui est la zone Bassa, qu'ils puissent eux aussi se constituer comme perpétuateurs ou se situer dans le prolongement de cette œuvre qui a servi de fondation à la République du Cameroun. Héritier de l'UPCisme, le président du PCRN pense que d'autres formations politiques peuvent elles aussi évoluer dans le Nyon Ekélé où 3 sièges à l'Assemblée nationale sont occupés par l'UPC. Cabral Ibi se veut clair face au tract qui circule sur les réseaux sociaux et sur lequel on peut lire que ce dernier a pour seul mandat la destruction totale de l'UPC dans ce département. Contacté, l'honorable Bapo Lipote et autres niettes de l'UPC se refusent de tout commentaire. Cependant, le président du PCRN rassure. Venu ici où nous sommes candidats, dire au peuple de rester en alerte, de fermer les oreilles à la diversion, à la calomnie, à d'autres types de distractions qui n'ont pour but que de dévier la trajectoire qui a été prise par le PCRN pour le redressement du Cameroun. Pour ce faire, les visages des candidats investis par le PCRN aux municipales et législatives dans le Nyon Ekélé sont dévoilés aux populations venues nombreuses à la place des fêtes de Makak. Leurs voix sont d'ailleurs sollicitées pour qu'au soir du 9 février, leur président Cabral Ibi monte une fois encore sur la scène pour faire valoir sa casquette de danseur. C'était quel rythme pour danser sur quel air? Le Makune, avec le célèbre groupe Koundé. Alors, il y a cette accusation, l'UPC. Est-ce que vous avez l'impression que le Nyon Ekélé, c'est le terreau de l'UPC? Vous savez, je crois qu'il y a erreur sur la personne. Monsieur Tongue, vous parlez à quelqu'un qui se sent investi d'un appel pour exercer le pouvoir suprême au Cameroun. Et je suis interpellé sur des questions liées à un département qui, pendant longtemps, était la chasse gardée d'un parti politique. Pour être président de la République, moi, j'ai la stature et la posture d'un président de la République en devenir, par la grâce de Dieu, je parle au Camerounais. J'ai fait le choix d'être candidat dans l'Union Ekélé parce que j'en ai le droit d'un président. Je suis autant préoccupé par la victoire dans l'Union Ekélé que dans l'Oufundi. C'est peut-être pour ça que je voudrais aussi que vous m'interpelliez sur le travail extraordinaire, sur l'offre politique extraordinaire. Et d'ailleurs, il y a une passe d'armes très intéressante il y a quelques jours avec l'un de nos candidats, M. Axel Ebe, avec M. Fred Axel Ebe. Parle-moi du travail qui est fait par M. Angelo Tweli, Mme Sylvie Mouet, M. Armand Okol, M. Abdourahmane Mokhtar dans le Fundi. Parlez-moi de Kari Hamadou. Alors, à supposer que le RDPC nous ait ouvert un boulevard, c'est donc ce boulevard qui a permis que Kari Hamadou soit candidat
au Diamaré Sud-Ouest. C'est donc ce boulevard qui est ouvert à Kribi 1er, Kribi 2e, où on dit tout et n'importe quoi, on annonce que je ne peux pas y mettre pied, et là, ce n'est pas l'UPC. C'est donc ce boulevard qui, vous avez vu les images de la campagne lancée à Maga par Atifi Ferdinand. Non. Écoutez, le PCRN est au-dessus de cela. Mais il ne faut pas que je laisse l'impression de contourner la question. En 2013, il me semble que le parti que vous évoquez n'était pas candidat au sénatorial. Pour une raison toute simple, le Conseil constitutionnel avait rejeté leurs deux listes. Juste pour rafraîchir la mémoire à tout le monde, je ne mets mes pieds en politique qu'en 2017. Donc les événements que je vous raconte se sont déroulés entre 2013 et 2000, pour emprunter à 24 heures chrono, et 2013. Vous pouvez faire le décompte des années qui se sont passées. Monsieur Mais Rodrigue, corrigé aux législatives du 30 septembre, l'année qui suivait. Je dis ceci. Nous tous qui sommes en politique aujourd'hui, nous le sommes grâce à nos illustres devanciers, qu'était Félix Roland Moumier, qu'était Ernest Wandi, qu'était Ruben Oumniobé. Nous avons une reconnaissance éternelle vis-à-vis de ces personnes qui ont milité dans un parti politique. Nous nous disons que le combat qui a été mené par ces personnes est un patrimoine politique national. Et que nous autres, qui ne sommes pas militants de l'UPC, avons nous aussi le droit de revendiquer le droit de poursuivre ce combat. C'est pour cela que nous l'avons baptisé UPCisme, que nous considérons comme le ferment idéologique patrimonial du Cameroun. Et plusieurs partis politiques ont donc le droit de se revendiquer de l'UPCisme. L'UPC, évidemment, le PCRN et d'autres. Parce que moi, je suis heureux de voir à la télévision, ça a été le cas ici, écouter M. Ousmane Malpetel, qui était de liste à Menganga, dire qu'il est UPCiste. Moi, j'ai été heureux de lire dans cet ouvrage de M. Olivier Atimbob Chuongang, la refondation du Cameroun, je l'ai préfacé, il est candidat, il est tête de liste au Bamboutos, c'est à l'ouest, de dire qu'il est UPCiste. Non pas militant de l'UPC, mais UPCiste au sens où il épouse le ferment idéologique patrimonial qu'est l'UPC. Autant que le sont les militants du Manidem, par exemple. UPC. Autant que le sont d'autres formations politiques, mais c'est de ça que je parle. Je crois que le problème est qu'il y a eu beaucoup de formations politiques qui, elles aussi, revendiquent cet héritage, mais qui sont des excroissances de l'UPC. UPC. Le PCRN n'est pas une excroissance de l'UPC, et c'est peut-être cela qui pose problème. Mais nous avons le droit, nous aussi. Guidigis, mais d'abord, très loin de Yaou, mais oui, il est né à Guidigis. Mais quelle joie qu'enfin, à Guidigis, à Maroua, à Mokolo, des Camerounais comprennent qu'ils peuvent aussi revendiquer l'héritage de l'UPCisme, notre mamelle nourricière politique au Cameroun. En réalité, l'UPC devrait applaudir des deux mains. Parce que la zone Bassa, il faut le reconnaître, a servi de zone de repli à l'UPC. L'ancienne Sanaga Maritime. L'UPC, oui. La Sanaga Maritime, c'était d'abord, oui. Ça s'appelait d'abord Aidé à Ezeka en 1916. En 1935, ça a été baptisé Sanaga Inférieure. En 1936, Sanaga Maritime. Et puis en 1958, et vous pouvez comprendre pourquoi en 1958, ça a été éclaté Sanaga Maritime Yon-Ekele. C'est la zone de repli. L'UPC est un parti qui a été attaqué, on le sait tous, dès sa naissance. On connaît l'histoire de l'UPC. Et tout le mérite revient au peuple Bassa, et une bonne partie du peuple bamiléké d'avoir servi de zone de repli à ce parti politique ou alors à ce ferment idéologique que nous appelons UPCisme. Maintenant que d'autres énergies, voilà Aïcha Touinoua, elle est haoussa et anglophone à la fois, qui vous dit aujourd'hui j'épouse l'UPCisme. En fait, nous sommes nous-mêmes reconnaissants et à ceux qui ont préservé cet héritage et au parti politique qui a préservé cet héritage. Ce que nous ne comprenons pas, c'est qu'au moment où il y a de nouvelles énergies qui viennent les aider et qui permettent de sortir cet héritage de sa zone de réclusion au point qu'on l'a rattaché même à une base sociologique, au moment où nous venons enfin résoudre ce problème, des gens, des insensés, écrivent des choses. Parce qu'à la vérité, moi je vais sur le terrain, vous avez vu des images. À moins que vous me disiez que le professeur Charlie Gabriel Mbok n'est pas UPCiste. À moins que vous me disiez que Maître Nouga
n'est pas UPCiste. De temps en temps, à moins que vous me disiez que toutes ces personnes que nous nous rencontrons à la base et qui applaudissent des deux mains l'offre que nous apportons, qui sert de prolongement à ceux qu'ils ont souffert à protéger, ceux-là ne sont pas UPCistes et Camerounais. Il y a juste quelques personnes qui sont réfractaires à la modernité, à l'évolution des choses, et qui sont peut-être jaloux, effectivement, et qui pensent que nous sommes en train de leur ravir quelque chose. Non, ils conservent leur place, ils vont continuer. L'UPC traverse quelques moments difficiles, mais ça arrive à tous les partis politiques. Ils vont s'en remettre. D'ailleurs, c'est un parti qui a tellement résisté à tellement d'attaques que je doute que c'est celle-ci qui les fasse disparaître. Donc, c'est des personnes qui doivent régler leurs problèmes internes. Mais M. Tongue, fils de Ngué Mengué Morumaki, en fait, il était mon grand-père. Son premier fils, mon oncle, Ngué Mengué Morumaki. Son deuxième fils, mon oncle, Ngué Mengué Morumaki. Mon propre père, Ngué Mengué Paul, qui, malgré sa maladie, est en train de me regarder. Et ceux qui le connaissent savent qu'enseignant qu'il était tellement libre de temps qu'il a souffert sous le régime autoritaire des mois et des mois de prison. Je ne demande pas l'autorisation de qui que ce soit pour revendiquer l'héritage de ce pourquoi mes parents et mes grands-parents sont morts, c'est-à-dire l'émancipation du Cameroun, la réunification du Cameroun, le combat pour le bien-être. C'est ça que j'appelle l'UPCisme, qui est en réalité la mamelle nourricière de tous les partis politiques qui existent au Cameroun. Et il n'y a qu'au Cameroun que des patrimoines comme ceux-là sont galvaudés et méprisés. Allez en Afrique du Nord, allez en Afrique du Sud, vous verrez que c'est carrément des monuments. D'ailleurs, même la loi de 91 sur les héros, qu'est-ce qu'on en a fait? Donc, trêve de ce débat, nos portes sont ouvertes aux UPCistes du parti UPC et aux UPCistes qui épousent l'UPCisme. Ceux qui vous accusent de surfer sur la vague UPC sont bien renseignés en ce moment. Après cette explication, chacun peut se faire une opinion. Nous sommes en période électorale, nous n'avancerons pas beaucoup. Dans d'autres cas, certainement, nous aurons l'occasion de vous rappeler deux ou trois petites choses. Assogbo Negdem, bonsoir, bienvenue. Pendant 25 minutes, vous allez croiser le verbe avec Cabral Libi Lingué que vous avez écouté pendant une heure d'affilée et que vous avez écouté avant cette émission. Je vous ai vu prendre beaucoup de notes. Le public, les électeurs... Et nous-mêmes, vous regardons. Nous pourrons intervenir pour relancer ou pour faire des précisions, mais vous avez le gouvernail. Je vous remercie pour le pouvoir donné. Rodrigue, bonsoir à M. Cabral Libi. Bonsoir à vous. Restons sur l'Union Ekélé. Pourquoi vous êtes allé poser votre candidature dans ce département précisément? Pourquoi n'y serais-je pas allé? Non, vous n'avez pas répondu. Non, mais vous avez forcément eu raison. Mais je vous dis que je décide de là où je peux aller. Et j'ai décidé que je vais aux élections dans l'Union Ekélé. Oui. Doit-on me faire un procès pour ça? Je ne fais aucun procès. Je suis étonné. Je veux simplement avoir la réponse. Tout le temps. Voilà. Mais je viens de vous dire que la Constitution et les lois du Cameroun me donnent le droit, en tant que citoyen valide, en capacité de décider, de choisir là où il veut aller aux élections. Est-ce que vous avez décidé d'aller dans l'Union Ekélé, comme il aurait pu décider d'aller ailleurs, il en a le droit. Le débat est clos. Est-ce que vous vous considérez comme l'enfant prodige annoncé par Ruben Oumniobé dans son testament que beaucoup évoquent dans l'Union Ekélé? Cet enfant prodige qui reviendrait et qui reprendrait le flambeau et qui dirigeait même peut-être le Cameroun. Vous connaissez cette histoire qui se raconte dans l'Union Ekélé? Alors, vous n'avez même pas idée de l'honneur qui m'envahit et de la fierté qui me submerge lorsque des personnes, en conjecturant seulement, prétendent que je serais le digne successeur ou héritier d'un héros de la nation. Vous n'avez même pas idée. Ma prière, c'est que ce soit vrai. Mais vous, vous ne rêveriez pas d'être identifié à un héros de la nation, M. Negdem? Je suis sûr que si. Donc, souffrez que par la grâce de Dieu, ce privilège me soit accordé. Alors, monsieur... Et je prie, monsieur Kabalibi, ce qui est jusqu'ici une supputation, une conjecture,
se confirme un jour. D'accord. Et donc, vous jouissez d'une popularité indéniable dans l'Union Ekélé. Merci de le reconnaître. Ce qui n'est pas le cas de votre parti. Les populations se reconnaissent davantage à votre personne. Comment vous faites, donc, à l'occasion de cette élection, pour que les populations ne voient pas seulement l'individu Cabral Libi, qui est le fils prodigieux qu'on annonce, et puisse également porter la vague qui est celle des autres candidats de votre parti, qui manifestement ne jouissent pas de cette même popularité au niveau de la base dans l'Union Ekélé. Alors, je suis, disons officiellement, entré en politique en 2017. Je suis devenu le président du Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale le 11 mai 2019. 7 jours plus tard, nous défilions dans plus de 140 arrondissements dans le cadre du 20 mai. Monsieur Nekdem, aujourd'hui, les Camerounais découvrent Wabongomsi Djibril, candidat PCRN à Voury Sud. D'ailleurs, c'est le lieu pour moi de préciser. Permettez-moi, monsieur Tongue, de préciser en ce qui le concerne, parce qu'il y a une désinformation qui circule au Voury Sud. Il y a même d'autres candidats qui font des affiches en mettant dessus que le PCRN, des candidats aux législatives, qui mettent dessus sur leurs affiches que le PCRN est dans une coalition avec eux aux législatives, alors que le PCRN a un candidat qui s'appelle Wabongomsi Djibril. Est-ce que je le précise, est-ce que vous ne craignez pas... C'est juste une parenthèse, oui. S'il vous plaît. Oui. Je précise aux électeurs de Voury Sud que le PCRN a bel et bien un candidat, à une liste, c'est une liste à un siège, avec Madame Ba Sharifa aux législatives à Voury Sud. Et que la confusion doit prendre fin. Maintenant, je reviens donc. Est-ce que vous ne craignez pas finalement d'être le seul élu d'Union Ekélé alors que vous présentez une liste? Mais pas du tout. D'abord, ce ne serait pas possible parce que c'est une liste. Mais encore qu'il est possible que dans une liste, c'est possible. Une seule personne soit élue, je vous le conseille. C'est possible. Je ne crains absolument pas cela. Parce que si vous suivez, et je sais que c'est le cas pour vous, les activités de notre parti sur le terrain, vous savez très bien que nous avions, pour le cas d'Union Ekélé, aligné 10 listes. Et que 7 ont été écartées à cause des requêtes introduites par le RDPC. 3 listes, Nguibassal, Biouha et Diban, oui. À cause du RDPC. D'ailleurs, en appel, on aurait pu casser cela, puisque ça a été cassé un peu partout. Mais comme on a introduit des pourvois, ça a été jugé irrecevable. Ça, c'est un autre débat. Mais c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vous connaissez combien de partis, en dehors de ceux qui sont nés au début des années 90, mais depuis cette période, vous connaissez au Cameroun combien de partis qui ont pu élargir leur base aussi vite? Je ne prends les rênes de ce parti, je vous le rappelle encore, que le 11 mai. Ça, c'est vous qui le dites, M. Cabral. Si on avait pu déposer toutes nos listes, c'est-à-dire que si certaines n'avaient même pas été écartées à cause du zèle des fonctionnaires et de certains élus locaux, nous aurions par exemple aux communes pratiquement le double des listes en compétition. Alors dites-moi, comment Cabral Libi peut être accusé d'être le seul candidat populaire? Vous avez vu les foules. Ce n'est pas une accusation. Vous avez vu les images du travail qui est abattu par M. Boubacary Massardine en Gaoundéré 2. Avez-vu Nous étions encore dans l'Union Ekélé. Sortons de là. Avez-vous seulement vu comment on déchire les affiches d'Olivier Atimbop à Galim? Ces personnes. Nous allons revenir sur ce sujet. Nous allons revenir sur ce sujet, Kabal. Elle est aussi connue que vous. Nous reviendrons sur vos affiches qui ont disparu dans le Bambutos. Rassurez-vous. Imaginons, je vous le souhaite, que vous soyez élu. Vous ne laissez toujours pas répondre à la question. Je suis en train de vous dire, si vous permettez, en 30 secondes, allez-y. Que je vous dise que justement, parce que je suis, je ne m'en vante pas, un homme altruiste, et que je me bats, je me tue à la tâche,
à encourager mes compatriotes à s'engager. Je leur transmets tout ce que j'ai. C'est entendu. Ça qui fait que c'est vous entendu, avez aujourd'hui c'est entendu, une armée de personnes c'est que vous entendu, ne connaissiez c'est entendu, pas, c'est entendu, qui aujourd'hui Cabral. Crèvent les clans, avançons. Lèvent les foules, on peut avancer. Font des merveilles. On a parlé, c'est moi qui en ai parlé, de Mme Nourishka. Vous l'avez dit. Vous voyez le travail qu'elle fait à oui, vous. Elle n'a pas un travail. Mais Monsieur Cabral, allons-y à l'Assemblée. Je vous souhaite d'être élu député. Vous reconnaissez donc que le je PCRN. Vous souhaite. D'abord, je alors, vous allons-y. Vous allons-y, reconnaissez allons-y, donc que allons-y. Le PCRN a un mérite. Non, allons-y. C'est allons-y. Qu'il a une force de travail et de pénétration si à la vous base. Êtes, si vous êtes élu député, est-ce que vous allez accepter les fonds des micro-projets parlementaires? Absolument. Et je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que vous allez accepter de recevoir ces fonds en tant que député? Mais absolument. D'abord parce que c'est légal et j'estime même vous... à la vérité, j'estime à la vérité qu'on aurait même pu s'en dispenser. Parce que moi, je suis de vous ceux dites qui que parlent. C'est légal. Mais bien sûr. En quoi est-ce qu'un député doit recevoir des fonds et faire des investissements alors que c'est un travail qui revient à l'exécutif? Alors, le rôle du Parlement, c'est essentiellement légiférer et contrôler l'action du gouvernement. Qui contrôle le député dans l'usage de ce fonds public-là? Maintenant, je peux répondre. Allez-y. Une chose légale, c'est une chose prévue par la loi. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est légal. Est-ce que c'est anticonstitutionnel? Des juristes l'ont dit. Est-ce que c'est anticonstitutionnel de recevoir des fonds pour des micro-projets parlementaires sur lesquels il n'y a aucun contrôle? Pour qu'une chose soit anticonstitutionnelle, pour qu'une disposition soit anticonstitutionnelle, il faut qu'elle soit en contradiction avec une disposition de la Constitution. La Constitution dit quoi à propos du rôle du Parlement, M. Cabralibi? Non, mais j'espérerais que les juristes qui ont dit cela, vous avez donné tous ces arguments. Oui. Donc, renseignez-nous. Quelle est la disposition constitutionnelle qui est en contradiction avec la disposition légale qui octroie... Le Parlement a deux rôles essentiels. Légiférer, faire des lois, contrôler l'action du gouvernement. Comment est-ce que vous, député de la nation, qui avez pour rôle de participer à la production des lois, de contrôler l'action de l'exécutif, acceptez-vous de l'argent public et qui n'est soumis à aucun mécanisme de contrôle jusqu'ici? Comment vous l'acceptez? Et je comprends que vous souhaitez tellement que je sois député que vous vous adressez déjà à moi comme si j'étais député. Dieu merci. Nous sommes dans la science-fiction. Et je vous dis donc que si ça ne dépendait que de moi, et je l'ai dit en d'autres occasions, cet argent ne serait pas donné aux députés. Par donc, principe politique, pourquoi vous l'acceptez? Pour marquer cette nouvelle manière de faire la politique, comme vous dites, alors, vous auriez pu commencer par là. Vous me laissez donc expliquer. Allez-y. Parce que j'estime que le travail de production des lois et le travail de contrôle de l'action gouvernementale est tellement absorbant pour un député qui s'y consacre qu'on ne devrait justement pas le distraire à aller réaliser encore des projets socio-économiques. Mais on est dans un contexte... Vous êtes libre de ne pas accepter ces micro-projets. Pourquoi vous les acceptez alors que vous critiquez cela? Je peux comprendre que dans le contexte africain, oui, un contexte de précarité généralisée, Que l'on ait décidé qu'en complément de l'action de l'exécutif et de l'action des communes, que les députés puissent eux aussi agir là-dessus. Soit dit en passant, c'est 8 millions par an, c'est et compliqué. Qu'au bout de 5 ans, vous aurez encaissé 40 millions, et vous ne le justifierez en rien. Oh là là. J'espère que vous savez. Si c'était détourné, on ne pourrait pas contrôler. J'espère que pour une fois, je peux Allez-y. Dire ce que je pense. Allez-y. Je n'aime pas moi qui vous renseigne, mais je sais que vous travaillez sur ces questions et que vous savez que l'argent des projets, des micro-projets, est justifié au Parlement. Si vous ne le saviez pas, sachez-le. Donc, arrêtez de c'est dire un que mécanisme c'est... interne. Mais on n'a jamais poursuivi un député pour c'est l'usage que... de cet argent. C'est et ce n'est d'ailleurs pas prévu. On justifie ça en conféré. Au moins, on aura compris que cet argent est donc justifié. Non. En conféré. Non. Maintenant... Mais c'est vous qui appelez l'Assemblée confrérie. Le règlement intérieur prévoit une chose. Maintenant, vous dites que c'est un code maçonnique ou jésuitien ou magique, j'en sais rien. Non, la confrérie, ce n'est pas la maçonnerie forcément. Mais je vous dis qu'on parle d'une institution. Est-ce que cet argent peut être contrôlé au même titre que les gestionnaires des fonds publics sont contrôlés? Est-ce que ces 40 millions-là reçus au bout de 5 ans peuvent être contrôlés au même titre que les ministres sont contrôlés en tant que gestionnaires de l'argent public et même des maires?
est-ce que la dépense parlementaire est contrôlée? Par le Parlement. Laissons les micro-projets. Oui. Est-ce que la dépense parlementaire générale, c'est-à-dire la dépense quotidienne faite par le président de l'Assemblée nationale, fait l'objet de contrôle? Elle est contrôlée. Oui. De contrôle externe, non. Elle est contrôlée par le Parlement. Est-ce qu'elle fait l'objet de contrôle? Oui. Alors, si la dépense générale des parlementaires, du Parlement... En tant qu'institution. Mais les fonds des micro-projets sont octroyés par une institution et participent du fonctionnement d'une institution. Donc, mutatis mutandis, ça fait l'objet de contrôle, évidemment. Mais Kamara, il est difficile dans ce que vous dites de voir en quoi est-ce que vous vous écartez. Nous voir en quoi est-ce que vous vous distinguez. Nous nous éloignons. Vous ne vous distinguez finalement pas du fonctionnement actuel de cette institution que vous décriez. Je peux vous dire que la priorité pour nous, ce n'est pas des débats sur des enveloppes de 8 millions. C'est 40 millions et quand ça, même en 5 même ans. Même sur des débats de 40 millions, c'est de ça que vous n'allez pas minimiser 40 millions. Je ne suis pas en train de les minimiser. Je suis en train de vous dire que nous les allons les utiliser à bon escient. C'est-à-dire, je vous l'ai dit tout à l'heure avant. Enfin, vous pourquoi ne pas vous consacrer vous simplement au travail du... Moi, du Parlement. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas des débats de clochers. Oui. C'est d'apporter des solutions aux attentes des Camerounais. Aucun Camerounais ne cracherait sur un micro-projet porteur, créateur d'emplois, qui apporte le développement. Aucun Camerounais ne cracherait dessus parce qu'il est fait par un parlementaire. D'accord. Dans ce cas, si nous sommes donc d'accord que ce qui doit préoccuper un élu, c'est de résoudre les problèmes des élus, je vous réponds que tout en ne partageant pas cela, tout en m'engageant même, si vous voulez, à ce que cet argent ne soit plus distribué aux parlementaires pour la seule raison qu'on n'a pas toujours le sentiment que c'est utilisé à bon escient. Premier engagement sur ce plateau ce soir, Cabral s'engage à ne pas utiliser ce fonds-là. Moi, je vous l'ai déjà dit, les parlementaires du PCRN, qui sont préoccupés par les attentes des populations, utiliseront cet argent à bon escient. C'est pour ça que nous ne parlons même pas de micro-projets, nous parlons de projets pilotes. Et ceux qui nous suivent sur le terrain, on leur a dit, nous allons plutôt utiliser cet argent, non pas seulement parce qu'un projet... Si vous d'ailleurs, étiez un au projet, Parlement, ce n'est pas un puits. Moi, chaque fois qu'on nous montre l'utilisation Cabral, des micro-projets, vous ne me laissez jamais terminer. Si. Vous parlez beaucoup. Nous allons lancer des projets pilotes. Si vous étiez au Parlement depuis 2016, passons à autre chose. Industriel, semi-industriel. Si vous étiez au Parlement en 2016, de l'emploi, de la valeur ajoutée, de la richesse, c'est de ça que je... D'accord. Si vous étiez au Parlement depuis 2016, comment auriez-vous fait pour que cette institution puisse enfin mettre en débat la question de la crise anglophone, la question, on est d'accord, la question du fiasco de l'organisation de la CAN 2019 avec les surfacturations qui ont été révélées? Comment vous auriez fait, sachant qu'un parti comme le SDF a organisé carrément une opération blocus et n'a pas pu imposer cela en débat? Comment vous auriez fait si vous étiez député au sein de cette chambre? Alors, j'aurais posé tout simplement le problème en formulant des propositions pertinentes et en faisant du lobbying interne pour que, et je l'ai dit avant que vous n'arriviez, des questions aussi cruciales que celles-là sont au-delà des clivages partisans. Il faut donc Est-ce que vous êtes conscient qu'aucun parti d'opposition n'a été solidaire de cette action du SDF au Parlement? En fait, je vous emmène à comprendre le fonctionnement de cette institution. Ben, j'ai l'impression que... dans ce cas, je prends mon stylo et je vais noter. Ce n'est pas grave, vous pouvez le faire. Ben, c'est ça, c'est ce que je fais. Vous allez me faire un cours sur le fonctionnement du Parlement. Non. Et vous en avez et les compétences et le droit, je vous le conseille volontiers. Sur d'autres questions, si Cabral. Vous permettez donc que je vous réponde, M. Negdem, parce qu'à cette allure, allez-y, on va perdre. Allez-y. Comment j'aurais fait pour mettre en débat la question de la crise anglophone? D'abord, la question de la CAN. C'est une enquête parlementaire qu'il faut, parce que c'est une question cruciale. Mais comme vous savez très bien comment fonctionne le Parlement, vous savez que le processus de mise en place d'une commission d'enquête parlementaire est exactement le même processus que la votation d'une loi. Il y a tellement d'étapes à franchir, et comme il y a un parti politique qui est majoritaire dans toutes ces étapes, elle réussit toujours à anesthésier ce type de choses. C'est pour cela. Donc n'allez pas penser que des partis politiques actuellement à l'Assemblée nationale de l'opposition n'ont pas fait des propositions là-dessus. C'est parce que la nomenclature de cette Assemblée ne permet pas à ce type de choses de prospérer. Comment c'est exactement pour comment cette vous même raison. Là où ils ont échoué. Comment on fait, M. Negdem, c'est en disant aux Camerounais qui sont donc en train de nous regarder actuellement,
par leur vote, de lever les barrières qui entravent les initiatives qui permettent de mettre de la lumière sur des questions cruciales, qui permettent sur la crise anglophone de voter un code de la décentralisation qui apporte des réponses. Vous avez suivi mes positions là-dessus. Autant ce code en a des avancées, autant ce code est un miroir aux alouettes. En donc, concédant que ne vous ayez 39 députés, mais je parle sur les 39 qui doivent choisir dans ce non parlement seulement les députés, mais c'est simple. C'est pas à nous de faire là maintenant, c'est aux électeurs de décider. Et c'est bien que vous posiez cette vous question. Vous aurez 39 députés dans le meilleur des cas. Vous maîtrisez tellement dans bien. Dans le meilleur des cas, vous aurez vous 39 députés. Vous maîtrisez tellement bien justement le fonctionnement de l'Assemblée nationale, et je vous le conseille dans toute sincérité, que vous êtes donc justement en train de faire œuvre pédagogique en démontrant à ceux qui doivent voter, les Camerounais, que s'ils continuent à laisser que prospère à l'Assemblée nationale cette nomenclature politique actuelle, il n'y a pas grand-chose qui puisse évoluer. Ils ont donc l'occasion, le 9 février 2020, de voter non seulement massivement, mais de faire des choix judicieux. Non seulement ceux du PCRN, mais nous n'avons pas la prétention d'être le seul parti politique en compétition, mais des choix qui sont formulés par d'autres formations politiques justement, qui pourraient donc nous ramener dans la situation de mars 92, où les forces alternatives de l'Assemblée nationale était majoritaire. Et je vous assure que si certaines d'entre elles n'avaient pas trahi la confiance du peuple en se rabattant de l'autre côté, beaucoup de choses auraient changé à l'époque. En effet, vous avez évoqué tout à l'heure, je vous suivais, l'option des coalitions au Parlement. Vous avez évoqué cela pour pouvoir constituer une véritable force en face du parti ça au s'appelle pouvoir. Le parlementarisme de couloir. Je suis, ça, d'accord, savez, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Vous maîtrisez le fonctionnement. Partant de 92, en 92, les différents partis d'opposition n'ont pas réussi à s'entendre pour créer ce parlementarisme de couloir et pour faire des alliances. Première chose. De 92 à ce jour, on arrive, les partis politiques à l'Assemblée n'arrivent pas à parler d'une même voix. Même sur des questions d'intérêt général. Le code de la famille. On a parlé tout à l'heure du fiasco de la CAN, qui sont des questions d'intérêt général. Les partis politiques d'opposition au Parlement ne réussissent pas à parler d'une même voix et à porter véritablement ces questions-là d'une seule voix. Comment vous pouvez envisager des coalitions aujourd'hui, alors que depuis 92, c'est le désert en cette matière? Ben, depuis 92, on avait affaire à peu près aux mêmes. Et ce sont ces mêmes partis qui sont encore au Parlement? Oui, puisque... Et qui sont en course? Puisque les nouveaux élus ne sont pas encore installés. Le 9 février 2020, parce que ce que vous dites, nous le regrettons tous. Et là, j'ai même envie de vous dire que ce n'est pas le journaliste qui parle, c'est le citoyen. Nous le regrettons tous. Que les partis d'opposition qui sont représentés à l'Assemblée nationale n'aient parfois pas pu faire bloc sur des questions d'intérêt général qui préoccupent pourtant leur base électorale. Et vous voyez d'ailleurs, certains d'entre eux sont en train de courir le risque d'être très durement sanctionnés par leur base électorale, mais nous pouvons l'observer. Et certains sont allés dans des coalitions avec le parti au pouvoir, délaissant leur base qui les avait pourtant mandatés. Donc je suis absolument d'accord avec vous que ce type de choses doit changer. Mais ce changement ne peut intervenir que si ceux qui maintenant doivent décider le 9 février 2020, c'est-à-dire les électeurs, ceux qui détiennent leur carte d'électeur, laissent que les choses demeurent en l'état. Ils peuvent voter donc pour des formations politiques qui inspirent confiance, qui tiennent des discours pertinents, qui prennent des engagements fermes de faire autrement. Cette latitude est accordée actuellement. Oui, peut-être plus pour sortir. Oui, une dernière question. Le gong vient de retentir. Et là, je vais vous amener vraiment dans les territoires, épuisée. Dans les territoires, le développement local. Comment vous faites pour garantir le contrôle citoyen au niveau de l'exécution des budgets, au niveau de l'exécution des projets? Comment vous faites pour garantir aux citoyens qu'ils peuvent effectivement contrôler l'action des élus locaux en termes d'exécution de budget, en termes de conduite des projets? Cette disposition-là est déjà prévue dans le code général des collectivités locales, mais quels sont les mécanismes concrets que vous pouvez proposer pour que cela soit... Toutes nos équipes qui sont sur le terrain, je peux répondre? Vous permettons à Cabral de répondre. Toutes nos équipes qui sont sur le terrain le disent à l'unisson. Nous proposons des mécanismes clairs de transparence et de reddition des comptes. Nous le disons à nos électeurs que le conseil municipal ne se contentera pas, comme le dit la loi, de siéger tous les 3 mois. Il ira tous les 3 mois, après avoir siégé et fait le bilan, ira à la rencontre du peuple pour dire au peuple ce qu'il est en train de faire.
Seul l'engagement d'exemplarité et de transparence permet de garantir le contrôle citoyen, c'est-à-dire les gens qui vous ont élus, leur donner la latitude, la possibilité, et c'est ce que nous voulons partout, leur donner la latitude de vous dire nous ne sommes pas d'accord avec telle option. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une des choses. Et là, quand je le disais en 2018, je voyais des gens qui riaient. Souvent, quand nos idées prospèrent, les gens ne sont plus là pour nous marquer leur reconnaissance, mais nous ne l'exigeons pas outre mesure. Lorsque ce code de la décentralisation introduit que tout citoyen, toute personne, désormais, toute personne physique, ayant intérêt, peut contredire une décision prise par l'exécutif communal. C'est une avancée incroyable. C'est-à-dire que la loi elle-même a déjà posé des bases juridiques du contrôle citoyen de l'action des collectivités territoriales décentralisées. Mais nous, en complément ou en supplément de cela, nous vous disons que nous allons mettre sur pied des mécanismes de reddition des comptes dans la transparence et de façon séquentiellement régulière. Je vous remercie, M. Cabral, et je vous souhaite bonne chance pour votre campagne. Merci beaucoup. Vous m'avez déjà souhaité de gagner. Et je fêterai avec vous au soir du 9 février. Merci, M. Nébou. On vous le souhaite. Et je vous propose de respirer le temps de recevoir Sylvain Ndiongo. Allons voir un autre mécanisme de contrôle, mais cette fois du vote. Le PCRN et ses alliés proposent le bulletin témoin qui permet de veiller sur la traçabilité du procès verbal du bureau de vote. Je parlais du procès verbal témoin, s'il vous plaît. C'est dans ce sujet tourné et réalisé par Delphine Fonco. Monsieur. Opération séduction pour les candidats investis aux municipales et législatives du 9 février 2020. Déjà 4 jours que la conquête dure. Nous nous battons pour convaincre les Camerounais de voter pour notre offre politique. En compétition pour 38 communes à travers le Cameroun et 39 sièges à l'Assemblée nationale, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale a d'ores et déjà pris des dispositions pour sécuriser les voix des Camerounais qui leur feront confiance. Nous avons également exhorté les populations à venir avec des bougies, avec des torches, avec tout ce qu'il faut, parce que quand il y aura coupure miraculeuse, il faudrait qu'on puisse poursuivre le déploiement et voir ce qui se passe véritablement. Et nous en sommes d'ailleurs battus pour ça, pour que nous puissions avoir dans les bureaux de vote 2 représentants, soit un pour les communes et pour les municipales et l'autre pour les législatives. Là, c'est sur le plan local. Au niveau international, l'ONU et l'Union africaine ont été contactés par le PCRN pour le renforcement de la transparence électorale. Et désormais, un procès verbal témoin sera instauré. En quoi consiste le procès verbal témoin? Le procès verbal témoin, c'est un procès verbal de plus qui doit être remis aux représentants des missions d'observation. La pertinence de ce procès verbal témoin est remise en question par les experts des élections. Hilaire Kamga, que nous avons eu au téléphone, on a quelques réserves. Ça peut être une méthode de pression pour combattre la fraude électorale, mais en l'état actuel du droit camerounais, il ne peut pas y avoir de PV témoin qui soit de nature à supplanter le PV du représentant de l'élection de Cameroun, notamment dans la commission locale de vote, parce que celui-ci, c'est le président du bureau de la commission locale de vote. L'expérimentation de cette innovation du Parti camerounais pour la réconciliation nationale reste attendue le 9 février 2020. Est-ce réaliste? Est-ce réalisable? On a vu les réserves d'Ilay Kamga. Écoutez, tout ce qu'il faut sur cette question, s'il le faut, c'est un empilement des mécanismes qui permettent de garantir la transparence et la sincérité du vote. Donc, il est clair que le code électoral, et je le dis depuis la présidentielle, a prévu un mécanisme que nous devons à nos devanciers en politique, qui permet que chaque parti politique en compétition puisse avoir un représentant dans le bureau de vote. Suite à la réunion qu'il y a eu récemment avec l'ELECAM, j'y avais mandaté quelqu'un, nous avons même obtenu, le directeur général a signé un document là-dessus, que chaque parti politique qui va en compétition dans les 2 élections puisse avoir dans les bureaux de vote de ces circonscriptions 2 représentants, soit l'un pour les municipales et l'autre pour les législatives. Nous sommes d'ailleurs en marge de la campagne que nous faisons, en train de former nos représentants dans les bureaux de vote en leur montrant les différentes techniques de fraude, même si nous devons avouer que chaque année, ils se réinventent. Mais sur cette question, nous sommes sûrs d'une chose, M. Rodrigue Tonga. Si vous avez un représentant dans un bureau de vote qui a appliqué à la lettre ce qu'on lui a dit, s'il n'a pas changé de camp entre-temps,
Parce qu'il peut avoir changé de camp en journée et vous ramener un PV falsifié qui contient des données qui ne reflètent pas la réalité du bureau de vote. Pas avoir été acheté. Oui, bien sûr. Et on l'a vécu à la présidentielle. Donc, s'il est intègre, s'il est sérieux, et là, seul Dieu peut nous guider dans le choix des personnes qui réunissent ces qualités, et j'ai prié longtemps pour cela, donc j'espère que nous avons du bon cru, si ces personnes appliquent ce que nous leur avons donné comme indication, ils vont nous ramener, M. Tongue, le même soir, des procès-verbaux, parce que la loi, elle est claire, dès qu'on a fini de dépouiller l'urne, on inscrit les chiffres sur un procès-verbal qu'on fait à l'identique et qui est signé de toutes les personnes dans le bureau de vote, c'est-à-dire le président du bureau de vote, le responsable de l'ECAM et les représentants de tous les autres partis. Nous, nous prions Dieu qu'on nous démontre, le jour que nous aurons eu, par exemple, en Guibassal où il y a 17 bureaux de vote, nos 17 PV, nous étant ramenés, nous ayant été ramenés par nos représentants sur lesquels figurent les signataires, les signatures de tous les autres représentants, que c'est autre chose. Nous attendons impatiemment ce jour, M. Tongue. Si on surveille le vote au Cameroun, on peut considérablement faire obstacle à la fraude. Merci, Cabral. Et si vous permettez juste une petite précision, on me l'a rappelé pendant l'intermède, je n'ai eu de cesse depuis le début d'émission de dire que nous allions en compétition pour 35 communes. En fait, il s'agit de 38, parce que j'ai oublié qu'après le contentieux à la Chambre administrative de la Cour suprême, vous avez été réhabilité, on a réhabilité Galim, Nitoukou et Figil, voilà, dans le Nord. Merci, et je voudrais signaler... Je salue M. Zourba Pabame. Qui était faire des précisions à mon tour en direction de la réalisation de cette émission. Il s'agit de la Miss 2020, le grand jury, et non le grand débat, comme cela apparaît sur le logo à l'antenne à gauche, en bas de l'écran. C'est bien le grand jury, et non le grand débat. Le grand débat, c'était hier. Le grand débat, ce sera demain pour le Vouri premier. Ce sera avec Michael Tipkio à Douala et ses invités. Le grand jury reviendra jeudi prochain avec Paul-Éric Kinguet. Ce sera toujours à Douala. Et puis nous pourrons revenir à Yaoundé. Je comprends que précision, comme c'est nouveau, précision la réalisation se mélange les pédales. Je suis Cabral Libi et non Cabral Lili. C'est bien écrit Cabral Libi. Cabral Libi durant les deux heures. Sylvain Diongo, bonsoir. Bonsoir Rodrigue, bonsoir Cabral Libi. Nous vous écoutons pendant 20 minutes. Nous avons vu prendre beaucoup de notes. Je vous rappelle que vous êtes ici pour explorer avec le candidat Cabral Libi, les questions liées à l'économie, au social, dans l'Union Ekele et bien au-delà. Puisque nous l'avons rappelé, c'est le président de parti qui a investi plusieurs autres candidats. Effectivement, rebonsoir Cabral Libi. J'ai essayé de parcourir un peu les projets de certains de vos militants qui sont candidats de part et d'autre. Notamment, je me suis intéressé à celui qui est candidat dans les Bamboutou, si je ne me trompe pas, dans son projet concernant l'aspect socio-économique. Monsieur Olivier Atimbo. Oui, voilà. L'aspect socio-économique, il parle de reconquête de notre souveraineté économique et monétaire. Ça ressemble à un titre incantatoire. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement quel est le contenu que vous mettez dans reconquête de notre souveraineté économique et monétaire? Bon. Le seul aspect incantatoire que je suis disposé à vous concéder, c'est le préfixe « re » qui apparaît avant conquête. Parce que pour reconquérir une chose, il faut l'avoir déjà conquise. Mais encore que, c'est vraiment parce qu'on est sur un ton badin que je vous l'accorde. Parce qu'il ne faut pas penser que les sociétés camerounaises ou les sociétés africaines n'ont vu le jour qu'avec l'avènement de l'État au sens du droit, avec la proclamation des indépendances, avant ces moments-là, il y avait des échanges entre les sociétés. On vendait des choses, on achetait des choses, on avait donc une monnaie qui ne s'appelait peut-être pas le franc, mais qui avait un nom parce que ce n'était pas des monnaies au sens fiduciaire, mais c'était des instruments d'échange. Donc on peut effectivement penser qu'à l'époque précoloniale, et il faut lire l'ouvrage du professeur Ounala dessus, on avait une certaine souveraineté monétaire. Maintenant, lorsque M. Atimbop, qui a d'ailleurs publié ce très bel ouvrage sur la refondation du Cameroun, parle donc de cette conquête ou de cette reconquête, ça dépend de quel côté on se place, en réalité, j'ai envie de dire que je suis surpris que ça vous surprenne. Parce que c'est un débat qui est tellement prégnant
en Afrique, notamment ces derniers temps lorsqu'on a évoqué la question de l'écho, qu'il veut simplement, et c'est ce qu'il dit dans son programme, il le reprend à son compte les idées que nous avons développées, notamment pendant la campagne présidentielle sur cette question. Nous disons qu'il va de soi, et c'est ce qu'il dit, que des pays comme les nôtres doivent accéder à la souveraineté monétaire. Cela va de soi. De quoi s'agit-il lorsque vous parlez de souveraineté monétaire? De quoi s'agit-il concrètement? Lorsque nous parlons de souveraineté monétaire, ça veut dire qu'il faut que nous ayons une banque centrale. Une banque centrale qui peut donc générer de la monnaie. Et actuellement, les pays de la zone se marquent comme une banque centrale. À quoi sert la BEAC selon vous? Non, mais la banque centrale est la banque communautaire. Oui, mais c'est une banque centrale. C'est une banque centrale. Mais bien sûr, oui. C'est une banque centrale. Et d'ailleurs, moi qui suis très attaché à la communautarisation, même lorsque je parle de la sortie du franc CFA, je suis d'avis de ce que, effectivement, nous revenions à cela. Mais la souveraineté, lorsqu'on évoque justement la question du CFA, n'est même pas tant liée au fait qu'on ait une banque centrale, est liée à l'accord monétaire qui lie la zone monétaire à un autre État. Cet accord monétaire qui crée donc un lien de dépendance avec cet État. Notamment le fait que une partie de nos devises, à cause des accords liés à la parité, soit logée dans le trésor d'un autre État. Mais déjà, j'espère qu'on s'est compris. Oui, j'ai compris. Mais maintenant, ce que vous dites semble déjà avoir été. Vous avez déjà. On a quand même eu des secousses, déjà, par exemple, pour ce qui concerne les points précurseurs de l'abandon du franc CFA dans la zone de l'UEMOA. Il y a déjà notamment cet accord projeté de ne plus loger l'argent des pays des zones communautaires dans le trésor français. Donc, ce ne sera pas une nouveauté. Non, mais c'était avant que le président Ouattara le dise. Oui. Ça n'avait pas vu le jour. Et vous connaissez ma position là-dessus. Et d'ailleurs, on m'a fait tout un procès là-dessus d'avoir reconnu que c'était des avancées. Parce que ça rejoignait des propositions que nous avions faites pendant la présidentielle, c'est-à-dire que l'on rebaptise, par exemple, la monnaie, parce que qu'on le veut ou non, même si c'est franc de la coopération financière et de franc de la communauté financière coopération, quand il s'agit de l'UEMOA et l'autre, quand il s'agit de la CEMAC, il reste que la racine de cette affaire, c'était franc des colonies françaises d'Afrique. Donc, on a pensé qu'il fallait donner un nom qui soit propre à l'Afrique, et on a toujours pensé qu'il fallait rompre avec le lien de dépendance. Ce d'autant que, quel que soit le bout par lequel on prend la question, quand même nous aurions une monnaie réputée souveraine, cette monnaie serait elle-même indexée sur le panier de devises du FMI, à moins que nous sortions définitivement du système de fonctionnement monétaire international. Donc la question que pose, c'est donc, de mon point de vue, une avancée. Ce qui a été annoncé par le président Ouattara, et vous connaissez toutes les diatribes qu'il y a eu autour, on a estimé que c'était une action unipersonnelle. Mais sur cette même annonce, il y a une question qui demeure. C'est-à-dire, maintenant qu'il a été annoncé que le compte d'opération est fermé, est-ce que pour autant l'écho, si ça voyait le jour, ou le franc CFA, ouest-africain, espace UEMOA, est désormais adossé à quelle autre monnaie qui assure sa flexibilité? Donc, on est d'accord que sur cette question, il y a toujours un inconnu. Et nous faisons partie de ceux-là qui pensent qu'il faut continuer à approfondir la question, il faut continuer à exercer la pression, parce qu'il ne faut pas non plus vendre le mirage. Moi, je suis de ceux qui pensent que les questions monétaires sont des questions délicates. Il y a plusieurs éléments qui se tiennent. Il y a la question de la souveraineté à laquelle je suis fondamentalement attaché. Il y a aussi la question de la discipline budgétaire, la question de la productivité soutenue. Et c'est toutes ces questions qui se tiennent. Parce qu'on a parfois l'impression que selon que des hommes politiques d'un certain niveau abordent cette question et selon que les activistes l'abordent, il y a certains aspects qui sont galvaudés et qui sont des pièges en réalité pour l'homme politique. Il faut bien dire à l'opinion que c'est un faisceau de choses qui se tiennent. Merci pour cette réponse. Mais il faut préciser que pour la CEMAC, autant on peut se féliciter des annonces des avancées dans l'espace UEMOA, au niveau de la CEMAC, on en est encore au point de départ. Voilà. Pour revenir au niveau de l'Assemblée nationale du Parlement, vous savez que dans notre fonctionnement actuel, généralement, les lois sont initiées par l'exécutif, c'est-à-dire l'exécutif va faire des propositions et généralement, comme le parti au pouvoir a souvent une majorité obèse, ça passe comme lettre à la poste. Quel sera le mécanisme par lequel vous allez proposer toutes ces réformes monétaires
vu déjà que vous allez de façon minoritaire à l'Assemblée, vous avez parlé de 38 candidats, sur 180 députés, on peut dire que vous êtes un homme. 39. Voilà. Non, non, ne réduisez pas le vote. Voilà. Donc, imaginons cet instant que vous avez les 39, vous parlez des 39 candidats. J'imagine ça chaque instant de ma vie. Et vous avez 39 députés, et puis il y a sur 39 sur 180. Vous voyez que vous y allez de façon minoritaire. Comment vous faites pour qu'il y ait amendement sur le plan économique et monétaire, notamment sur le point de la monnaie? Comment vous faites cela? Comment ça se passe? Bon, d'abord, excusez-moi, le libellé de votre question pourrait donner l'impression que seul le PCRN est préoccupé par la question monétaire. Mais non, puisque c'est vous qu'on est en face. Absolument. Voilà, donc ça me ramène un peu à la réponse que j'ai donnée avant. Oui. C'est que je suis au moins sûr d'une chose. Il y a plusieurs formations politiques qui pourraient être solidaires sur la question. Les promulguent pour que finalement l'Assemblée les ratifie. Mais encore que je ne sais même plus si je place les mots dans le bon ordre. Mais il y a un pouvoir de pression qui est dévolu aux forces politiques. C'est un débat d'opinion. Je crois que l'activité de pédagogique d'une formation politique peut faire en sorte que nonobstant sa minorité au sein d'une institution parlementaire, que la pression populaire que génère le travail pédagogique puisse obliger même le décideur issu du parti dominant à réviser sa position, parce que sa propre base aura désormais été acquise à ce débat qui est formulé sous un prisme pertinent et au-dessus des clivages partisans, parce que cette question est une question fondamentale. Je précise encore que nous, on ne la posera jamais sous le prisme de la conflictualité entre les États africains et les États occidentaux. Pourquoi? Mais parce que nous pensons que nous sommes des États indépendants, nous sommes des États souverains. Donc sur des questions qui concernent le Cameroun, la décision ne vient pas d'un autre État qui est égal au nôtre. Article 2, paragraphe B. Oui, mais vous avez bien vu, par exemple, que du côté de l'UMOA, le changement, l'annonce de l'écho, ça s'est fait lorsque un président étranger était en visite en Côte d'Ivoire et que les autres d'autres pays ont tout fait de dénoncer. Ça s'est décidé de façon unilatérale. Mais ce n'est pas la référence. Ce n'est pas le bon exemple. Vous savez, les décideurs font des choix qui leur sont propres. Moi, je vous parle des lois, des règlements, des traités qui régissent. Donc pour vous, le Cameroun est souverain et indépendant et il peut prendre ses décisions. Je continue encore à vous dire que moi je ne dirai jamais devant une caméra que l'accord monétaire de Fort Lamy qui lie la France ou en tout cas les États africains à la France ne peut pas être révisé à cause de la France. Ce propos est même insensé. Il est même insensé. C'est-à-dire qu'il instille dans les consciences que nous serions des États vassaux qui ne serait pas indépendant et qui demanderait pour un oui ou un non à la France. Et donc vous le croyez sincèrement, nous ne sommes pas... Parce que moi, en face, j'ai écouté le président Macron, j'ai écouté les ministres français successifs des Affaires étrangères qui disent que l'accord est clair. Lorsque l'une des parties a un accord, veut le réviser, il n'a qu'à demander la décision. Maintenant, je comprends ce qui est sous-jacent à votre question, c'est qu'il peut avoir des considérations d'ordre politique qui fragilisent. Mais là encore, il faut avoir à la tête de nos États, des leaders légitimes. Parce que lorsque ces leaders deviennent présidents et qu'on l'annonce publiquement grâce au soutien d'un tel et au financement d'un tel autre, il n'y a pas la même onde d'indignation. Mais lorsque quelqu'un qui est devenu président, non pas grâce au suffrage qu'il reçoit du peuple, mais grâce à la caution qu'il reçoit de l'extérieur, on est étonné que plus tard, il courbe les chines devant cette puissance extérieure. Et une fois encore, c'est au peuple de décider et de choisir des personnes qui ont soit le buste droit, qui parlent avec fierté de l'État qu'ils veulent incarner, soit des personnes qui n'ont le juste droit que pour écraser leurs propres compatriotes. Oui. Nous avons, par exemple, remarqué jusqu'ici, pour ce qui concerne la répartition des richesses des communes, produites par les richesses, produites par les communes, on a parfois l'impression que les communes qui produisent plus sont souvent très pauvres. Prenons le cas de la région de l'Est. On sait que c'est une zone forestière, mais on n'a qu'à regarder l'état de route. Je crois qu'on a découvert également l'or du côté de Yaoundé, il n'y a pas très longtemps. C'est devenu... Ça va créer beaucoup d'insécurité dans le monde. D'insécurité, voilà. Comment est-ce qu'on fait pour que ce ne soit pas comme si c'était une richesse maudite, comme si c'était l'or de sang, comme si c'était une forêt maudite, pour que les communes bénéficient enfin des richesses qui sont produites? Alors là,
cette question peut même être approfondie jusqu'à la question des devises, hein, parce qu'on parlait de la monnaie. De la monnaie tout à l'heure. Parce qu'il faut savoir que quand vous vendez du bois, quand vous vendez de l'or, c'est des devises qui sont produites. Et lorsque ces devises que votre région a vous produit, lorsqu'elles sont produites, est-ce que dans leur dévolution par la suite, on tient compte de vous? Pourquoi je prends par ce bout? Parce que c'est un bout oublié. Par contre, le bout que vous vous évoquez n'est même pas un bout oublié. En tout cas, il est en partie pris en compte. Parce que la réglementation camerounaise, que ce soit sur la question du bois, que ce soit sur la question des ressources du sous-sol, le code minier, notamment le code forestier aussi, prévoit des mécanismes de répartition des dividendes tirés de cette exploitation, des mécanismes de répartition qui tiennent compte de la spécificité du sol de la localité et de la collectivité territoriale décentralisée. Vous savez très bien que pour le cas de la région de l'Ouest, de l'Est, la mairie d'Abomban a vu beaucoup de ses maires se retrouver en prison. C'était pourquoi? C'était à cause du détournement justement des dividendes nés de cette exploitation qui, elles, sont prévues justement par la réglementation en vigueur. Donc, sur ce point bien précis, je crois qu'il y a davantage un problème de gouvernance. Il faut revoir effectivement les textes qui, de mon point de vue, sont surannés parce qu'il y en a encore qui sont teintés de relents post-coloniaux ou coloniaux tout court. Il faut revoir. Et il faut même revoir à la hausse, justement, la part qui doit être dévolue aux collectivités territoriales décentralisées qui hébergent ces richesses à la base, avant leur exploitation. Donc il y a la gouvernance et la loi qu'il faut réviser, et ça encore, ça passe par les élus. Mais il y a un autre aspect qu'on a oublié, par exemple l'aspect des carrières. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, aucune mairie ne possède de carrière à cause du code minier? Du coup, vous avez une richesse sur votre sol, vous découvrez un matin des gens, ils peuvent être à la peau blanche ou à la peau noire, qui traversent la mairie et qui commencent à exploiter une carrière, on vous dit que non, vous n'avez rien à dire là-dedans. Vous vous contentez peut-être éventuellement des dividendes qu'il peut en être généré. Je crois que ce code minier-là, sur ce point bien précis, sur la question des carrières, nous nous pèserons de tout notre poids parce que nous allons remporter des mairies où il y a des carrières, entre autres. Et nous souhaitons que nous ayons, nous aussi, la possibilité d'avoir une mainmise là-dessus, non seulement pour contrôler les richesses qui en sont générées et que ça nous profite, mais aussi pour la main-d'œuvre qui exercent. Parce qu'il faut voir la catastrophe qu'il y a dans les carrières. Non seulement celui qui les exploite, vous ne le connaissez pas, mais même les personnes qui y travaillent, vous ne les connaissez pas. Tout le monde passe le matin et redescend le soir dans des camions. C'est des choses qu'il faut absolument réviser. Donc je suis d'accord avec vous, votre question, mais une fois encore, M. Sylvain Andiongo, c'est lorsque nous serons entrés au Parlement que ces choses pourront changer véritablement. Merci Cabral, merci Sylvain, merci d'avoir participé à ce jeu. C'était la première. Nous sommes encore en train de roder la machine. Ça va durer 2 semaines. Peut-être que ce modèle d'émission va survivre à la campagne électorale. C'est le temps de faire le point. Est-ce que Cabral Ibi, vous avez l'impression d'avoir convaincu le jury ce soir? J'ai fait du mieux que je pouvais. Je me rôde aussi. Donc, le retour que nous aurons de cela me renseignera sur les points que je dois ajuster, sur des choses que je dois corriger. Moi, j'ai toujours l'humilité et la faiblesse d'accorder à mes équipes, en interne déjà, de me critiquer, mais alors sans réserve. Je voudrais être le leader qui est le produit des observations de ce. Alors, nous avons un premier retour sur nos différentes interfaces, Facebook, YouTube, la page de l'émission, la page de la chaîne. Nous étions suivis en direct par des téléspectateurs cumulés à un peu plus de 6000 téléspectateurs qui nous suivaient en direct. Nous avons sur l'ensemble de ces pages-là 1600 et quelques commentaires en plus, des messages laissés. Il y a des tops, il y a des flops. Pour les trois quarts, pour l'estimation que nous faisons, ce sont des encouragements. Mais il y a aussi un tiers, on pourrait le dire ainsi, des internautes qui rappellent qu'ils sont en mode boycott et donc qui ne participe pas à tout échange qui a trait aux élections législatives et municipales. Vous savez d'où vient le boycott. Vous avez un mot à dire sur le boycott? Parce que des messages de boycott nous parviennent sur nos interfaces. Oui, j'ai un mot à dire sur le boycott. Vous savez, le mot boycott vient d'une situation anglaise. C'est un Anglais qui s'appelait Boycott, qui était fermier, et qui, fatigué du mauvais traitement, a convaincu ses autres camarades fermiers de jeter les outils de travail. Et ça a fait un tollé, et c'est là qu'est née la question. Enfin, boycott est devenu un mot, donc c'est un anglicisme. Mais
sur le plan politique, le boycott, il a déjà existé au Cameroun. Hein. Il a existé, on le sait, en 97, avec le SDF, l'UPC, même l'UNDP. Je pense que boycotter, c'est exercer son droit de ne pas participer. Et participer, c'est exercer son droit de participer. Je pense que dans un cas comme dans l'autre, il faut écouter ceux qui participent, les arguments qu'ils développent pour justifier leur participation. Il faut également écouter ceux qui ne participent pas et écouter les arguments qu'ils développent pour justifier leur non-participation. D'ailleurs, moi, je peux même vous dire que les boycotts qu'il y a eu en 1997 n'ont pas toujours été sans conséquences. Hein. On peut toujours faire semblant de ne pas écouter. Oui, enfin, même en 1992. Ça a parfois eu des conséquences négatives pour ceux qui ont boycotté, qui ont perdu ou qui ont raté l'occasion d'occuper une position qu'ils auraient dû occuper et que s'ils l'avaient occupée, ça aurait peut-être empêché que certaines choses se passent. Mais ça a aussi eu parfois des conséquences positives. Moi, je peux vous dire que l'avènement de l'ONEL 1, 2, 3, puis l'ECAM 1 et 2, je crois qu'on en est à 3 maintenant, quand vous suivez très bien, généralement, ça souvent a été la conséquence soit du boycott, soit des menaces de boycott, parce qu'il y a un certain nombre d'organismes internationaux et même la communauté nationale qui est attentive aux arguments qui sont développés par ceux qui participent et par ceux qui ne participent pas. Et c'est la somme de tout ça qui construit une démocratie. Merci Cabral, nous avons donc ce premier retour. Nous allons suivre naturellement sur les différentes interfaces web de l'émission, de la chaîne également. Demain, c'est place au débat sur le Vouri Premier, la circonscription de Vouri Premier avec Michael Tipkio. Ce sera à Douala et jeudi, Michael reviendra avec le grand jury qui passera ou bien qui va passer au scalpel ou au scanner le programme de Paul-Éric Kingué. Et vendredi, le programme sera de retour à Yaoundé pour une autre circonscription pour le débat. Nous poursuivons samedi et dimanche jusqu'à vendredi prochain, deux jours avant le scrutin, deux jours avant les élections législatives et municipales. Merci vous à tous les téléspectateurs. Le bulletin de vote et citez peut-être le nom de vos colistiers, Monsieur Ndjip et Madame. Monsieur Ndjip, bienvenue, et Madame Roland. Ici, ça c'est pour le cas du Nouékélé. Mais ce que je tiens ici, c'est le bulletin du Fundi. Madame Mouette Sylvie, Okol Armand, Ebe Atangana Fred, Axel Yene Ernest, Aïcha Tuinois. On en a pas besoin. Ça, c'est pour les titulaires Abdourahmane Mokhtar, Kwadji Kablaise, Lomongo Nong, Abiyombi, Suga, Tarsisius, Nomozanga et Ambassou Jacqueline. Je voudrais surtout que nos téléspectateurs captent effectivement que nous sommes couleur grise, couleur ciment. Dieu a fait les choses de telle sorte que ce soit la couleur. Nous avons encore 20 secondes. La couleur d'un matériau de construction. Donc, c'est avec ce bulletin couleur ciment que nous allons construire et bâtir le Cameroun. J'espère que cela est bien. On peut revenir en studio. Voilà. 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 C'était un instant pour les candidats. Cet espace est aménagé pour les candidats. Nous faisons le devoir de rapprocher les candidats des électeurs, présenter les profils, les programmes également. Retrouvons-nous pour la suite demain et toute la semaine jusqu'aux élections. Bonsoir.